الحج بسم الله الرحمن الرحيم. Le grand mensonge des pseudo-sunnites et des pseudo-chiites concernant la falsification du Coran par les compagnons du prophète Mohammed, hypocrites qui ont pris le pouvoir après sa mort par un coup d'État. D'accord? Là, on est devant un très très grand problème. Pourquoi? Parce que les savants chiites et les savants sunnites, c'est-à-dire les deux grandes branches de l'islam, les deux grandes branches principales de l'islam, nous mentent. Ils savent pertinemment que le Coran que nous avons entre les mains, celui-ci n'est pas complet. Il n'est pas complet. Et il y a certains versets qui ont été falsifiés. Ils le savent. Ça, c'est dans tous les livres les plus anciens rapportés par les compagnons du prophète et par sa descendance, sa famille. D'accord? C'est partout. Ils savent que les gens ne lisent pas. Donc, ils en profitent. Hein? Ce qui se passe, c'est ça. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est ça. C'est que vous avez les savants chiites, certains. Vous avez les savants sunnites, pseudo-sunnites. D'accord? Vous avez les livres anciens. D'accord? Et vous êtes là. Vous voulez connaître la vérité, vous voulez savoir ce qu'il y a dans les livres. Déjà, vous avez un problème parce que vous n'avez pas accès à la langue arabe, parce que les livres ne sont pas traduits, ceux-là. Les livres les plus importants ne sont pas traduits. On traduit que les livres qui ont été falsifiés, comme Bukhari, Muslim, mais les livres les plus importants de l'islam ne sont pas traduits. Bon. Déjà, vous avez une première barrière, celle de la langue. D'accord? Et la deuxième barrière, on vous dit vous n'êtes pas savant. Les savants. Vous n'êtes pas des savants. Donc vous n'avez pas accès aux livres. Vous n'avez pas le droit de les lire. Voilà. C'est ça le problème. D'accord? Donc, vous vous dites, si je veux la vérité, comment je fais? Ben, selon ta secte, tu passes soit par là. Voilà. Alors vous pensez qu'en passant par là, par le savant, hein? Vous pensez qu'en passant par le savant, shit, et le savant sunnite, vous allez avoir la vérité? Ben non. Ils vont jamais vous dire ce qu'il y a dans les livres. Hein? Ils vont jamais vous dire, hein, si le Coran il a été falsifié. C'est pas leur intérêt. Parce qu'ils se disent, si on leur dit que le Coran a été falsifié, ils vont sortir de la religion. Et nous, on veut pas qu'ils sortent de la religion. Parce que nous, on veut qu'ils donnent des sadaqas, qu'ils donnent des aumônes. Parce qu'il faut faire travailler la paroisse. Hein? Faut l'électricité, faut faire des écoles, faut faire des écoles pour les enfants, pour leur enseigner notre dogme à nous, notre medheb. Pas leur enseigner le Coran, pour leur enseigner notre explication à nous. Hein? On a besoin d'école, on a besoin de... Ils ont besoin, c'est obligé, ils marchent avec le pognon. C'est obligatoire.
vous allez en trouver aucun d'eux qui fait ça gratuitement. Ça n'existe pas. Comme je suis en train de faire maintenant, là, gratuitement. Ça n'existe pas. Hein? Alors, il faut bien faire fonctionner. Donc, nous ici, hein, les savants chiites et les savants sunnites, ils disent ici, il ne faut surtout pas que les gens ils passent par là. Ils vont directement au livre ancien et qu'ils lisent par eux-mêmes, comme il fait un abad. Donc, on va leur mettre plein de barrages, plein, pour les dégoûter. Pour les dégoûter. On va leur mettre des ambiguïtés, on va leur dire la divergence. Hein? Et la personne, elle est dégoûtée. Elle est dégoûtée. Hein? Elle est dégoûtée. Et elle se sauve. Hein? La guidée, elle n'est pas entre leurs mains. Eux, ils pensent que s'ils disent ça, les gens, ils vont... Hein? Eux, ils veulent pas, les savants chiites et sunnites. Ils veulent pas que les gens... Ils veulent pas que les gens, ils se dirigent vers Allah. Non! Ils veulent pas ça. Eux, ils veulent que les gens, ils se dirigent vers leur école. Comme ça, ils vont leur enseigner leur medheb, leur dogme. Chaque savant, il va enseigner son dogme. Ouais, ils veulent pas qu'on va comme ça. Hein? Donc, ils vont vous mettre la barrière de la langue. Hein? T'es qui, toi? Ils vont te dire, t'es qui, toi? T'es un savant? T'es qui? Hein? Et la personne, elle est dégoûtée et elle va jamais rechercher la vérité qu'il y a dans leur livre. Qu'il y a dans leur livre. Donc, les savants, ils vont pas vous donner ça, ce qu'il y a là. Ici, directement à vous. Ici, par le savant et à vous. Non, ils ne vont pas faire ça. Ça, ils ne feront pas. Hein? Ils vont vous donner les livres qu'il y a dans leurs écoles. C'est ça qu'ils vont vous donner. Les livres qu'il y a dans leurs écoles. Leur tufsir. Hein? Bon, on nous dit, écoutez bien, on nous dit, hein? Écoutez-moi avec votre cœur. Hein? Faut pas avoir peur. C'est bien, vous êtes intelligent. Si je vous raconte des bobards, votre cœur, il va vous le dire. Hein? Faites travailler votre intelligence. Dites-vous, ben c'est rien, je vais m'asseoir, je vais écouter ce qu'il dit un abad, je vais écouter ce qu'il dit ce connard. Peut-être que... Puis on verra. Si ce connard, il raconte des conneries, je mettrai en garde les gens contre lui. Hein? Je préfère mettre en garde les gens contre lui plutôt que de ne pas l'écouter et puis sa parole, elle va se propager à cause de moi. Hein? Parce que je n'aurais pas fait obstacle à ce qu'il dit. C'est tout. Bon, on nous dit quoi? C'est le plus grand argument des coranistes, ceux qui ont fui les savants. Ils nous disent que le Coran est clair. Il n'y a pas besoin d'explication. Hein? Que tout le monde, ce Coran-là, tout le monde peut le comprendre facilement. Il n'y a pas besoin d'explication. Il n'y a pas besoin de rien du tout. Bon, moi je suis d'accord. Mais pourquoi il y a 300 tefsirs du Coran? Pourquoi? Pourquoi il y en a 300? Si le Coran il est clair, si ce Coran-là il est clair, pourquoi il y a 300 explications? Par exemple, ici, là, j'ai une explication pseudo-sunnite. Non, c'est pas celui-là. Attendez. Il n'y a pas que ça, il y en a plein. Je peux pas sortir les autres parce qu'il y en a trop. Il y en a trop. Hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous sorte? Il y a trop. Regardez, ça c'est le tefsir. Regardez. Ça c'est le tefsir. Ça c'est l'explication du Coran d'Ibn Kathir. Ça c'est Ibn Kathir. C'est la base chez les pseudo-sunnites. Ça c'est Ibn Kathir. Tome 1, tome 2, hein? Tome 3, hein? Et tome 4. Regardez, 4 tomes. Ça, c'est Ibn Kathir. 4 tomes. 4 tomes pour expliquer le Coran. Regardez. 4 tomes pour expliquer le Coran. D'accord? Regardez. Hein? 4 tomes. Hein? 4 tomes pour expliquer le Coran. Hein? Vous voyez? Le tafsir d'Ibn Kathir. Hein? Si le Coran y est clair, pourquoi il faudrait 4 tomes? Il y a un problème là, quelque part. À un certain moment, notre cerveau, il faut qu'il fonctionne. Puis qu'ils se disent, c'est pas normal. On nous dit que le Coran est clair. Et autour de ce Coran-là, il y a 300 explications. Hein? Là, il y a une explication, elle fait 4 tomes. Il y a des explications, ils font 10 tomes, 20 tomes du Coran. Hein? Ça, c'est ce qu'on vous dit pas. Hein? Hein? Et un tefsir, ça, c'est comment? Regardez, ici, on a tefsir Jalalain. Ça, c'est la version abrégée. C'est pas la version complète. Bon, c'est juste pour vous montrer. Ici, on a tafsir Jalalain. Regardez. On a le Coran, ici.
le Coran ici, et on a le commentaire ici. Regardez, le commentaire, il est plus grand que le Coran. L'explication, elle est plus grande que le Coran. Vous voyez? Et tous les pages, c'est comme ça. Regardez, vous avez le Coran et l'explication. Regardez, le Coran et l'explication. Le tafsir. Hein? Bon. Si tout va bien, poussez-vous, il n'y a rien à voir. Tout le monde, il est beau. Pourquoi il n'y a aucun groupe musulman, il n'y a aucune école musulmane qui est d'accord avec l'autre? Pourquoi il y a 300 explications en 14 siècles? 300 explications. Sans compter tous les coranistes qui, eux, font leur explication eux-mêmes, de leur tête. Posez-vous la question. Hein? Regardez ce qu'ils disent ici. La science du tafsir s'est révélée précieuse au début de l'islam, un temps où le texte sacré n'était pas encore vocalisé et pouvait prêter à ambiguïté. Ambiguïté. Hein? Cependant, bien qu'utile, le tafsir est à prendre avec précaution à cause, selon certaines écoles musulmanes, d'Ahmed ibn Hanbal, qui le définit comme sans fondement, hein, de beaucoup d'exagérations et de récits non authentiques. Vous voyez? Plus de 300 exégèses coraniques existent, les versets pouvant donner lieu à diverses lectures selon le profil intellectuel, à dominante linguistique, théologique, juridique, traditionnaliste et moderniste. Hein? Le tempérament libéral, rigoriste, les intégristes. Hein? Il y en a qui vont expliquer le Coran d'une façon libérale, laxiste. D'accord? Et d'autres rigoristes. Hein? La sensibilité religieuse, sunnite ou chiite. Hein? Selon votre appartenance, selon le milieu où vous êtes né, vous allez avoir une interprétation du Coran différente. Différente. Hein? Il y a un problème. Il y a un problème. Hein? Bon, on va nous dire quoi? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit... Hein? On nous dit... Ils aiment bien rapporter des versets. Hein? C'est nous qui avons révélé le... Par exemple, celui-là. Par exemple, celui-ci. Regardez. Alors, excusez-moi. Inna nahnu. Ici, on a Sourate 15, verset 9. Regardez. Sourate 15, verset 9. Ils aiment bien ramener ce verset-là. Et suivez bien ce que je vais vous montrer. Ici. Voilà, ici. Ici. Alors ici, regardez. Regardez bien la subtilité. Hein. Regardez la subtilité. Sourate 15, verset 9. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes les gardiens. Bah, figurez-vous que le mot-là, qui est écrit en arabe, c'est pas le mot Coran. C'est pas le mot Coran. Ouais, regardez. En arabe, ça fait ça. Ça fait ça. Inna nahnu nazzalna dhikra. C'est pas le Coran. Allah, il dit le dhikr. Hein? Wa inna lahu la hafidun. Et c'est nous qui le protégeons. Allah, il a révélé le dhikr. Il a protégé le dhikr. Le dhikr. Et on nous met la traduction, le mot Coran. Comme quoi que le dhikr, c'est le Coran. Si c'était le mot Coran, ça ferait ça. Ça ferait Inna nahnu nazzalna al-Qur'an. Wa inna lahu la hafidun. C'est nous qui avons révélé le Coran et c'est nous qui le protégerons. Mais le mot qui est là, c'est pas le mot Coran. Pourquoi ils l'ont traduit par Coran? Pourquoi? Pourquoi ils induisent les gens en erreur comme ça? Pourquoi ils mentent? Pourquoi ils mentent? Hein? Hein? C'est pas pour défendre l'islam. S'ils mentent, c'est pas pour défendre l'islam. C'est pour défendre leur paroisse. Pour défendre leur paroisse. Vous avez compris? Parce que, figurez-vous que dans l'islam, quand on devient imam, on atteint une notoriété. Une notoriété. Et si en plus, on fait des vidéos YouTube, hein, parce qu'attention, les imams, c'est pas eux qui font les chaînes YouTube. Non, ils ont des élèves, des adeptes. Ils s'occupent de tous les adeptes. Il y en a, il est spécialiste pour faire les vidéos. L'autre est spécialiste pour partager, hein. C'est les adeptes de la mosquée. C'est eux qui font de la pub à leur imam.
C'est eux qui font de la pub à leur imam. Derrière, vous, vous croyez que c'est un imam, il vient, il allume YouTube, il s'assit, puis il parle. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Derrière, il y a toute une logistique. Il y a toute une logistique. Hein. Et il y a un pognon énorme derrière, au cas où vous ne savez pas. Hein. L'imam, pratiquement, on lui fait ses courses. Hein. On lui fait ses courses, on lui prête la voiture de notre femme. Hein. Hein. Quand la sienne tombe en panne, si sa voiture elle tombe en panne, on lui trouve un garagiste musulman. Il y en a, il se présente, il dit, moi je vais te faire ta voiture gratuite. Il y a tout, derrière, il y a tout, comment on appelle ça c'est comme les dessous de table chez les partis politiques. C'est la même chose. Hein. Ça fonctionne toujours pareil. Ça fonctionne toujours pareil. Alors, ici, on a le mot dhikra. Hein, nous avons protégé, hein, nous avons protégé le dhikr. D'accord? Bon. Retenez bien le mot dhikr. Alors, est-ce que le mot dhikr, est-ce que le mot dhikr, ça veut vraiment dire Coran? Hein, dhikr en arabe, ça veut dire parler de quelque chose, rappeler quelque chose, le rappel. Le rappel. Parler de quelque chose ou rappeler quelque chose. C'est ça le mot dhikr en arabe. Bon. Retenez bien ça, on va y revenir. Bon. Donc, est-ce que le Coran il est vraiment protégé de la falsification sur terre? D'accord? Hein? Regardez. Ici, on a. Ici, on a. Alors, elle est où? Non, c'est par là. Oui. Ça va, une de l'aide, Je suis en train de faire un live. Ouais. Ouais, je suis en live là. Voilà. Ouais. Ouais. Ouais, appelle-le, ouais. Vas-y. Ouais, ouais. Alors. Attendez. Excusez-moi, désolé. Bel huwa Qur'anun Majid. Bel huwa. Alors, ici, regardez. Regardez bien. Surat al-Buruj, verset 22. Surat 85. Regardez ici. Hein. Bon, ici. Ici. Allah, il dit ici, Bel huwa Qur'anun. Et là, il y a le mot Qur'an. Là, il y a vraiment le mot Qur'an. C'est pas le mot dhikr comme tout à l'heure. Qu'ils avaient traduit Coran. Allah, quand il veut dire Coran, il dit Coran. Pourquoi il va dire dhikr? Hein? Allah, quand il veut dire Coran, il dit Coran. Pourquoi il va dire dhikr? S'il dit dhikr, ça veut dire que c'est quelque chose d'autre. Hein? Réfléchissez. Hein? Regardez, là, il utilise bien le mot dhikr. Bel huwa Qur'anun. Il utilise bien le mot Coran. Bel huwa Qur'anun Majid. Filouhin Mahfoud, hein, il dit, mais c'est plutôt un Coran glorifié, préservé sur une tablette auprès d'Allah. Le Coran, il est protégé, c'est Allah. Comme l'évangile, elle est protégée chez Allah. Comme la Torah, elle est protégée chez Allah. Comme ça, le jour du mois dernier, Allah, il va dire aux juifs, aux chrétiens et aux musulmans, ramenez votre livre. Hein, il va dire aux juifs, ramenez votre Torah. Il va dire aux chrétiens, ramenez votre évangile. Ils vont dire aux musulmans, ramenez votre Coran, lisez-le. Lisez-le. Hein? Et les trois religions, ils vont lire leur livre saint. D'accord? Ensuite, Allah il va dire à Moïse, à Jésus et à Mohammed, lisez le Coran que je vous ai révélé, qui est sur la table gardée. La table gardée, c'est une table de lumière qui est près du trône d'Allah. Dedans, il y a tous les prototypes. Dedans, il y a tout. La moindre goutte de pluie qui va tomber, la moindre feuille d'arbre, le moindre gramme de nourriture qu'on va manger. Dieu a tout quantifié. En fait, c'est un genre de scénario, hein, de l'humanité. Tout y est écrit. La moindre chose qui va arriver sur terre, elle est écrite.
même le nombre de cheveux et de poils que je vais perdre dans ma vie. Tout est écrit sur cette table-là. On l'appelle Al-Lawh al-Mahfoud, la tablette protégée. Hein? Et l'authentique, l'original du Coran, de la Bible et de la Torah, il est protégé dans cette tablette, comme dans un coffre-fort. Protégé de quoi ? De la falsification des hommes. Hein? Donc Allah, il dira aux hommes, aux juifs, aux chrétiens, aux musulmans, lisez votre livre que Moïse, Jésus et Mohammed, il vous a apporté. Lisez-le. Et les gens, ils vont le lire. Hein? Et ensuite, Allah, il va dire à Moïse, à Jésus et à Mohammed, lisez votre livre que je vous ai donné sur la table gardée. Et ils vont le lire. Et les gens, ils vont dire, on n'a pas reçu ça, nous. Nous, c'est pas ce qu'on nous a donné. Nous, on ne nous a pas donné ça. Hein? Ils vont dire, Seigneur, hein, on vous assure qu'on ne nous a pas donné ça. Allah, il va leur dire, il y a un problème là. Soit c'est vous qui mentez, soit c'est les prophètes. Comment on fait ? Hein ? Hein ? Et les prophètes, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Regardez. Hein ? Regardez ce qu'ils vont dire les prophètes. Kunta, attendez. Hein. Kunta, en, ta. Attendez, parce que j'ai pas le bon. Voilà, c'est ça. Excusez-moi. Parce que là, je parle de versets que j'avais pas prévu de parler. Surat al-Ma'ida, la table est servie. Regardez ça. Regardez ça. Verset 116. Vous voyez que j'utilise que le Coran. Hein. J'utilise que le Coran, hein, subhanallah. Regardez, pour réfuter. Regardez ici. Bon. Et rappelle-toi, ça, ici, Allah, il parle du jour du jugement dernier. Il parle du jour du jugement dernier. Bon. Il dit au prophète, et rappelle-leur le moment où Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, dans l'évangile, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah. Est-ce que c'est toi qui as dit aux chrétiens de t'adorer ainsi que ta mère? Hein? Jésus dira, il dira, gloire à toi et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais certes su. Hein? Hein? Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de ce qui est inconnu. Et Jésus dira, je ne leur ai dit que ce que tu m'as commandé. Je leur ai dit que l'évangile. Je leur ai donné que l'évangile. Je leur ai pas dit autre chose. S'ils ont rajouté des choses dans l'évangile, ça ne vient pas de moi, Seigneur. C'est ce qu'il dira. Hein? À savoir, adorer Allah, mon Seigneur, et le vôtre. Hein? Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Ça veut dire, Jésus, il dit, quand j'étais parmi eux, j'étais témoin de la falsification. Je ne les laissais pas falsifier. Mais une fois que tu m'as repris vers toi, hein, je ne suis plus témoin. Ils ont dû falsifier derrière mon dos. Hein? Ils ont entendu que je pars pour falsifier. Hein? Puis quand tu m'as rappelé à toi, hein? Puis quand tu m'as rappelé, hein? C'est toi qui fus leur observateur attentif. Et il dit à Allah, tu sais très bien s'ils ont falsifié. Après tu m'as rappelé à toi. Tu le sais. Tu le sais. Hein? Et tu es témoin de toutes choses. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant et les choses. Allah dira, voilà le jour où leur véracité va profiter au véridique. Allah, il va appeler tous les gens de chaque communauté, là, les véridiques de la communauté juive, les véridiques de la communauté chrétienne et les véridiques de la communauté musulmane. Et il va leur dire, alors, qu'est-ce que vous dites, vous ? Est-ce que les livres saints, ils ont été falsifiés ou non ? Hein ? Et les véridiques, ils diront, oui, ils ont été falsifiés. Oui, ils ont été falsifiés. Comment vous le savez ? Ben, on a fait des recherches dans tous les livres, on a fait des recoupements, on a étudié pendant des années. Et on s'est aperçu que vraiment, les trois livres saints, la Torah, la Bible et le Coran, ils sont falsifiés. Voilà. Voilà. Et la technique qu'on a utilisée, elle est tellement compliquée,
Elle est tellement compliquée, elle est tellement longue que la majorité des gens ne peuvent pas la faire. Ne peuvent pas la faire. Les gens, ils veulent que le facteur y vient avec un recommandé accusé de réception, hein, et qu'il leur donne le vrai Coran et il dit, tiens, Dieu t'a donné le vrai Coran, c'est celui-là, garde-le, lis-le. Voilà. Voilà. Ils veulent qu'on leur mâche le travail. Les gens, ils veulent qu'on leur mâche le travail. Ils pourront pas s'asseoir et étudier pendant des années, hein, les trois religions, ils ne pourront pas étudier les trois religions, hein, pour trouver la vérité. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Parce que regardez, vous allez comprendre, la majorité des gens à qui je parle, moi, ils ont hérité leur religion. S'ils sont nés chrétiens, en général, ils vont rester dans la caste chrétienne. Il va en avoir très peu qui vont s'aventurer chez les juifs ou chez les musulmans. S'ils sont nés juifs, ils vont rester que dans la caste juive, et ça c'est certain. Parce que eux, ils changent très peu. Hein? Bon. Et s'ils sont nés musulmans, ils vont rester dans la case musulman. Et ça, c'est certain. Très peu, ils vont changer de case. Les gens, ils veulent la facilité. Hein? Les gens, ils ne veulent pas étudier comme ça. Avec... Qui aimerait faire ça? Qui aimerait faire ça? Qui aimerait faire ça? Regardez. Qui aimerait faire ça? Regardez. Qui aimerait faire ça? Qui aimerait bien faire ça dans sa vie? Toute sa vie faire ça? Qui est-ce? Hein? Moi, je n'en connais pas beaucoup. Franchement. Hein? Les gens autour de moi, il n'y en a pas. Ça, c'est certain. Hein? Les gens, ils n'aiment pas faire ça. Les gens, ils aiment bien adorer Dieu comme eux, ils veulent. Hein? Ils n'aiment pas chercher la vérité. Les gens, ils aiment bien la facilité. Le Coran, il est pas falsifié, point barre. Cherche pas à comprendre. Vous avez compris? Alors, il y a plein de versets où Allah, il dit, on t'a donné la lumière, on t'a donné la guidée, on t'a donné ceci, on t'a donné cela. Bon. Alors oui, on t'a donné. Quand Allah dit au prophète, on t'a donné la lumière, on t'a donné le Coran, qui est un guide, on t'a donné. Pour nous, c'est le passé. Pour le prophète Mohammed, c'est le présent. Et pour nous, c'est le passé. Qu'est-ce qu'il nous dit, Allah? Il dit ça. Regardez. Allah, il dit au prophète, voilà, il dit, on t'a donné. D'accord? Allah, il dit au prophète, on t'a donné l'infalsifiable, le Coran. D'accord? On t'a donné quoi? L'infalsifiable. On t'a donné le Coran. D'accord? On t'a donné le Coran. Bon, ça Allah, il l'a donné au prophète. Est-ce que c'est le même qu'on a? Est-ce que le Coran qu'Allah a donné au prophète, on a le même? Non! Non! Pourquoi? Pourquoi non? Hein? Parce qu'à la mort du prophète, il y a eu deux groupes. Sa famille et ses compagnons. D'accord? Je vais l'écrire bien. Deux groupes. Ici, ça a donné le schisme, les chiites. Et ici, ça a donné les sunnites. Deux compagnons. Bon. Et ce Coran-là, ben, ici, ils ont le leur, qui a disparu. On va en parler, si bien. Et ici, on a celui qu'on a aujourd'hui. Parce que c'est le groupe-là qui a gagné. C'est le groupe des compagnons, c'est lui qui a pris le califat. Ils ont gagné. Donc on a deux courants. Voilà. Celui-là, il a disparu. Hein? Celui-là, il a disparu. Et on a celui-ci. Le Coran d'Othman. Tout le monde sait que ce Coran-là, il s'appelle le Coran d'Othman. Tout le monde le sait. Allez sur Internet, tapez Coran d'Othman, hein, et vous allez voir. C'est le Coran qu'on a. Le Coran-là, il a été écrit par les Omeyyades, les ennemis du prophète Mohammed. C'est eux qui l'ont rassemblé. Hein? Il a été écrit par les ennemis du prophète Mohammed, les Omeyyades. Et c'est le Coran qu'on a. D'accord? Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Coran, là, il a été occulté. Allah, il l'a repris vers lui. Il l'a repris. Voilà. On est puni. Tout comme il a repris la Torah. Regardez ici. On a un verset. Ici. On a un verset. Vous allez comprendre. Ici, on a un verset de l'Baqara. Voilà, ici, on a un verset de l'Baqara. Bon.
il dit, le verset, il nous dit quoi? Il nous dit, n'as-tu pas su l'histoire des notables parmi les enfants d'Israël, lorsqu'après Moïse, il dira un prophète parmi eux, désigne-nous un roi pour que nous combattions dans le sentier d'Allah. Ils ont un prophète et ils veulent un roi. Les prophètes, ils combattent dans le sentier de Dieu. C'est connu, ça. Tous les prophètes, ils combattent dans le sentier de Dieu. Bon, ils ont un prophète qui combat dans le sentier de Dieu, et ils lui demandent un roi. Ils veulent un roi. Ils veulent pas un prophète. Ils veulent un roi. Alors qu'ils ont un prophète. Normalement, ils disent à leur prophète, qu'est-ce qu'on doit faire? Montre-nous comment on doit combattre dans le sentier d'Allah. Dans le chemin de Dieu. Montre-nous. Eux, non. Ils disent, nous, on veut un roi. Tout le monde sait qu'un roi, il combat pour son royaume. Hein? Et son royaume, le royaume du roi, il est terrestre. Hein? Et tout le monde sait que les prophètes, ils combattent pour le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, il est céleste. Tout le monde le sait, ça. Donc, pourquoi ils veulent un roi? Hein? Pourquoi ils veulent un roi? Parce qu'en vérité, ils ne veulent pas combattre dans le sentier de Dieu. Ils veulent combattre dans leur sentier à eux. Ils veulent combattre dans le sentier du matérialisme. La preuve, regardez. Il dit, et si vous ne combattez pas? Et si Dieu vous donne un roi et vous ne combattez pas, quand le combat vous sera prescrit, ils dirent, et qu'aurions-nous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah alors qu'on nous a expulsés de nos maisons et capturés nos enfants? Ah, d'accord! Ce que vous voulez, c'est récupérer vos biens, c'est récupérer votre matériel, vous voulez récupérer vos maisons. Donc, c'est pour ça que vous avez demandé un roi. Vous savez très bien que le roi, il va combattre pour le matériel, pour le territoire, pour les biens terrestre. Et vous savez très bien que les prophètes, c'est pas leur travail de vous faire récupérer vos maisons. Hein? Les prophètes, leur travail, c'est de vous faire récupérer le paradis, pas vos maisons. Voyez, regardez la fourberie. Ah ben nous, les musulmans, ça parle des enfants d'Israël. Ah ben nous, les musulmans, on est pareil. Wallah al-Adim, pareil. Le prophète Mohammed, il dit, vous êtes la communauté, vous les musulmans, vous êtes la communauté qui ressemblait le plus aux enfants d'Israël. C'est pour ça on les déteste. Et c'est pour ça qu'ils nous détestent. Hein? Parce que quand on voit les juifs, c'est comme si on se regarde dans un miroir. Hein? Hein? En général, deux personnes qui ont les mêmes caractéristiques. Hein? Deux personnes qui ont les mêmes caractéristiques. Hein? Elles vont se repousser, elles ne vont pas s'attirer. Pourquoi? Parce que dans les relations humaines, il y a toujours un effet de domination. Il y a toujours un parti qui veut dominer l'autre. Voyez? Et si vous tombez sur une personne comme vous, vous n'allez pas réussir à la dominer. Donc vous allez la détester et vous allez la repousser. Ça, c'est logique. Ça, c'est les lois de la nature que Dieu a imposées sur terre. Il y a toujours un qui domine, même dans le couple. Même dans le couple. Dans le couple, c'est très rare qu'un homme et une femme, ils se marient. Et puis quand ils parlent tous les deux, ils disent « nous ». Hein? Quand j'étais tout seul, je disais « j'ai été en vacances ». J'ai acheté une veste. J'ai conduit telle voiture. Et lorsque je me marie, on dit quoi? Nous avons été en voie. On fabrique un troisième personnage. Un nous. Regardez, c'est ça. Regardez. Regardez. Hein? Alors, là, c'est moi. J'ai fait. J'ai acheté. Hein? J'ai fabriqué. Je suis monté. Hein? D'accord? Bon. Alors, alors, là, c'est moi. Lui. Et là, c'est moi, elle, l'épouse. D'accord? Bon. Ils vont se marier pour faire un troisième personnage qui s'appelle nous. C'est eux deux. Nous avons fait ça. Nous avons été en voyage. Nous avons acheté. Et c'est très rare que le nous, il est neutre. Il est impartial. Très rare. En général, l'homme, quand il va parler, il va dire nous, mais en vérité, il parle de sa femme. C'est sa femme qui a décidé. Tellement elle l'a battu dans le débat, elle l'a battu, elle l'a écrasé avec le nombre d'années, ah ben, il s'identifie à sa femme. Tout ce qu'elle dit, il va dire amen. Et même quand il va parler, il va dire nous, alors que lui, il n'a rien décidé. C'est elle qui a décidé. Hein? Et des fois, c'est de l'autre côté, c'est l'homme. L'homme, il a tellement un caractère puissant que son épouse, elle va s'identifier à lui. Et lorsqu'elle va parler, elle va dire nous, alors que c'est pas elle qui a choisi. Hein? Ah ben nous, les juifs et les musulmans, c'est pareil. Ils ont tellement un tempérament très 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 fort. Hein? Hein? Ils sont tellement pareils, ils sont tellement égaux qu'ils se détestent. Hein? Comprenez? Hein? Il n'y a pas de... Faut pas croire tout ce qu'on vous dit. Depuis le début, on vous ment. Hein?
Regardez. Et leur prophète leur dit. Donc ils veulent un roi pour combattre dans le sentier de Dieu. Alors que ce n'est pas vrai. Ils veulent seulement récupérer leurs biens, leurs maisons et leurs enfants. D'accord? Bon. Et leur prophète, il leur dit, la preuve, regardez la preuve. Bon. Il dit, est-ce que lorsque Dieu il va vous donner un roi pour combattre dans son sentier? Parce que vous rusez, Dieu il va ruser avec vous. Hein. Vous rusez contre Allah, mais Allah est le meilleur des ruses. Allah, il va vous suivre. Il va vous suivre dans votre fourberie. Hein? Il va vous suivre dans votre fourberie. Hein? Donc il dit, et si Dieu vous donne un prophète, un roi, vous allez combattre? Ils disent oui, bien sûr on va combattre. On nous a fait sortir de nos maisons. On nous a pris nos biens matériels. Hein? Bien sûr qu'on va combattre. Regardez, et quand le combat... Et si vous ne combattez pas, le prophète il dit, quand le combat vous sera prescrit, ils dirent, et qu'aurions-nous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah, alors qu'on nous a expulsés de nos maisons et qu'on a capturé nos enfants. Et quand le combat leur fut prescrit, ils tournèrent le dos. Ils veulent pas le combat. Ils voulaient leur maison et leurs enfants. Wallah. Ils voulaient leur maison et leurs enfants. Ils voulaient pas le combat. Regardez, sauf un petit nombre d'entre eux. C'est toujours un petit nombre qui suit les prophètes. Si vous voyez un grand nombre dans une religion, si vous voyez un grand nombre, ben sachez que cette religion, elle est falsifiée. Parce que ceux qui suivent, c'est toujours les intelligents. Ceux qui font des recherches. Et les intelligents qui font des recherches, ils sont toujours un petit groupe. Et en général, ils sont dénigrés, on les insulte, on les martyrise, on les frappe, et eux, ils résistent dans cette religion-là. D'accord? Sauf un petit nombre. Regardez. Ils tournèrent tous le dos, sauf un petit nombre. Et leur et Allah connaît bien les injustes. Et leur prophète leur dit, alors là, maintenant, on veut une preuve. On veut une preuve comme quoi que le roi qui a été désigné par Dieu, c'est bien, il vient bien de chez Dieu. Hein? Donc leur prophète, il leur donne une preuve, un miracle. Et leur prophète leur dit, hein, voici qu'Allah vous a donné Talout. Allah vous a donné Talout. Hein? Talout. D'accord? Bon. Ça, c'était à l'époque de David. Hein? Ça, c'est à l'époque de David. Quand David, il a tué Goliath. Hein? Faqatala Daouda Jalout. Jalout, c'est Goliath en arabe. Bon. Alors, leur prophète, il leur dit, voici qu'Allah vous a envoyé Talout pour roi. Dieu vous a donné un roi. Hein? Ils dirent, comment régnerait-il sur nous? Ils n'ont pas voulu. Au début, ils demandaient un roi pour combattre dans le sentier d'Allah. Et Allah, il leur donne un roi. Et ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils disent, non, nous, on ne le reconnaît pas. Nous, on ne le reconnaît pas. Ben, vous l'avez demandé au début. Vous l'avez demandé. Maintenant, vous n'en voulez plus. Hein? Nous avons plus de droits que lui à la royauté. Hein? En fait, il veut un roi choisi parmi eux. Pas un roi désigné par Dieu. Ça a toujours été comme ça. Jamais les êtres humains n'ont voulu un homme désigné par Dieu. À chaque fois que Dieu y a envoyé un homme pour guider l'humanité, son peuple l'a toujours frappé. Il l'a toujours expulsé. Hein? Moïse, il a émigré. Il a fait l'exode. Hein? Mohammed, il a fait l'exode. Abraham, il a fait l'exode. Tous les prophètes, leur peuple, ils les ont poussés à l'exode. Ils n'en voulaient pas. Ils n'en voulaient pas. Parce que les gens, ils ne veulent pas l'au-delà. Les gens, ils veulent du matériel. Les gens, ils veulent des iPhones. Ils veulent des voitures. Ils veulent aller au cinéma. Ils veulent aller à Dubaï. Les gens, c'est ce qu'ils veulent. Les gens, ils ne veulent pas la religion. On veut la religion, mais à Dubaï. Voilà. On veut faire la religion à Dubaï. À Dubaï. Pas ici. C'est ce qu'ils aiment bien, les gens. Les gens, ils veulent pas manger du pain sec, comme les prophètes. Hein? Les gens, ils veulent pas. Jésus marchait à pieds nus de ville en ville. Hein? Il n'y avait même pas de maison. C'était un itinérant. Hein? Nazareth, Bethléem, Jérusalem. Les gens, ils veulent pas le travail des prophètes. Ils veulent pas. C'est pour ça que les prophètes, ils ont tous été frappés. Demain, appelez un savant. Demain, appelez n'importe quel savant. Hein? De n'importe quelle secte. Et dites-lui de parler comme un prophète. De dire exactement ce qu'un prophète disait. Eh ben, il n'y a aucune mosquée qui va l'inviter. Aucune. Aucune. Il n'y a aucune mosquée. Si demain, un savant, il parle comme un prophète, comme le prophète Mohammed par exemple, ou bien comme le prophète Moïse, il n'y a aucune mosquée qui va l'inviter. Parce que les gens, ils veulent pas quelqu'un qui parle vrai.
Parce que parler vrai, ça veut dire les choses telles qu'elles sont, même si ça fait mal aux gens. C'est ça, parler vrai. Les gens, ils veulent quelqu'un qui parle bien. C'est pas la même chose. Les gens, ils veulent quelqu'un qui parle bien. Parler bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner aux gens ce qu'ils aiment bien écouter. Donner aux gens ce qu'ils aiment bien écouter. Ce qu'ils veulent bien entendre. Hein? Les gens, ils veulent pas du parler vrai. Ils veulent du parler bien. C'est ce qu'ils veulent. Hein? C'est pour ça quand il y a des savants, ils viennent dans des mosquées ou quoi, on leur met un trône, hein, avec une bouteille d'eau, avec un micro, on va les accueillir, on va les chercher à l'aéroport, on les ramène chez nous, l'épouse elle fait à manger, hein, il y a toute une organisation autour pour le ramener à la mosquée. Hein, hein, et à la fin de son discours, tout le monde se précipite vers lui pour avoir la baraka. Hein, les gens ils veulent pas. Hein? Si les prophètes ils étaient des savants, leur peuple, ils les auraient pas envoyés balader. Ils auraient fait exactement comme aujourd'hui. Ils leur mettent un trône, hein? Ils leur construisent leur maison. Ça aurait pas été difficile pour eux. Hein? Alors regardez, hein? Leur prophète il leur dit, hein? Allah vous a choisi Talout. Et ils ont dit non. Comment régnerait-il sur nous? On veut pas de lui. On veut un parmi nous. Hein? Nous avons plus de droits que lui à la royauté. On ne lui a même pas prodigué beaucoup de richesses. Ah, on ne lui a pas prodigué beaucoup de richesses. En fait, ce que vous vouliez, c'est pas combattre dans le sentier de Dieu. En fait, vous cherchiez des richesses. Hein? C'est ce que vous cherchiez. Vous cherchiez des richesses. Hein? Hein? Il dit, leur prophète, Allah l'a vraiment élu sur vous et a accru sa part quant au savoir et à la condition physique. Allah, quand il choisit un prophète, ou quand il choisit un élu, ou quand il choisit un roi lui-même comme Salomon ou David, ou quand il choisit un imam comme l'imam Ali, il lui donne deux choses. Il lui donne le savoir et la force physique. Hein? Parce que pour transmettre ce savoir-là, il faut être fort. Il faut avoir une grande force de caractère. Hein? Allah, il va pas donner le savoir à un petit minus qui va se faire frapper, hein, qui aura peur. Non, il lui donne le savoir et la condition physique. C'est ça les critères. Et nous les hommes, notre critère pour choisir un prophète, hein, pour choisir un prophète ou un savant ou quoi que ce soit, notre critère à nous, c'est quoi? C'est la richesse. Est-ce qu'il y a beaucoup de vues? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font l'éloge de lui? Hein? Est-ce que derrière, il y a une grande mécanique, une organisation bien millimétrée, hein, avec du pognon qui arrive? C'est ça nos critères à nous. Si on voit que le savant, il y a beaucoup de vues, On va aller s'abonner à lui. Parce que on va regarder le nombre de vues. Et on va s'abonner à lui. Tandis qu'Allah, c'est pas les mêmes critères. Le critère d'Allah, c'est la vérité, la science et la force physique. D'accord? Regardez. Et Allah alloue son pouvoir à qui il veut. Le pouvoir chez Allah, c'est la force physique, hein, et la science. Et le pouvoir chez les hommes, c'est le pognon et les femmes. C'est ça. Hein? C'est pour ça Allah dit Zuyina linnas hubb ash-shahawat min an-nisa wal qanatil al-muqantara. On a rendu beau pour les gens, hein, le pouvoir de l'argent et des femmes. Hein, le pouvoir des femmes et l'argent. Et là Allah il a mis les femmes avant l'argent. Hein, parce que vous allez voir tout le temps les belles femmes, ils sont toujours autour des mecs friqués. Toujours. Hein? Donc, il dit, et alors, comme ils n'ont pas voulu le croire, et c'est là qu'on arrive au point essentiel où je voulais venir, hein, il dit, leur prophète leur dit, le signe de son investiture, c'est que le coffre va vous revenir, objet de quiétude inspiré par votre Seigneur, et contenant les reliques de ce que laissèrent la famille de Moïse et la famille d'Aaron. Vous voyez? Hein, les reliques, hein, le coffre, c'est-à-dire l'arche d'alliance. Hein, le signe, regardez, hein, regardez, hein, regardez. Les anges le porteront. On va vous rendre l'arche d'alliance qui était au ciel, qui a été reprise par Dieu. Vous avez tellement déconné qu'on vous a repris l'arche d'alliance. Et dans l'arche d'alliance, il y avait quoi? Il y a l'original de la Torah. L'original de la Torah. Donc, ça veut dire qu'à l'époque-là, les rabbins ne l'avaient plus. Ils n'avaient plus l'original de la Torah. Ils ont dû la réécrire de mémoire. Ils ont réécrit la Torah de mémoire.
Hein? Qui est-ce qui connaît tel verset? Hop, ils ont réécrit la Torah. Elle leur a été reprise à cause de la désobéissance. Et c'est exactement ce qui est arrivé aux musulmans. Et je vais vous le prouver par A plus B dans les livres. Dieu nous a repris le vrai Coran. Oh, ce qu'on a, c'est un exemplaire à peu près. Hein, hein, il manque beaucoup dedans. Il manque beaucoup, beaucoup de choses. D'accord? Et je vais vous le prouver. Hein, chez les sunnites et chez les chiites. Avec leurs livres les plus authentiques. D'accord? Bon, l'Arche d'Alliance, c'était ça. L'Arche d'Alliance, c'était ça. Regardez. Arche d'Alliance. C'était un coffre que Dieu, quand les enfants d'Israël, ils étaient, vous allez trouver ça dans le chapitre Exode de l'Ancien Testament. Le chapitre Exode. C'est là que Dieu, il dit à Moïse, tu vas construire l'arche, tu vas me fabriquer. Tu vas demander à, il y avait un spécialiste de l'or, hein, un graveur et tout. Et Dieu, il dit à Moïse, demande à cet homme de te fabriquer un coffre. Hein. Donc l'Arche d'Alliance, elle faisait 1,50 m de long sur à peu près 1 mètre de large. Au-dessus, il y avait deux chérubins, deux anges, qui mettaient leurs ailes comme ça. Voilà. Regardez, c'est ça, l'Arche d'Alliance. Voilà. Vous voyez? Attendez. Vous voyez bien. C'est ça, l'Arche d'Alliance. Vous voyez? Bon. Donc, il dit, tu vas demander à un tel de te fabriquer une arche d'alliance. Hein, en bois, elle va être recouverte à l'intérieur d'or, et à l'extérieur, elle va être recouverte d'or aussi. Et au-dessus, il y aura deux anges, deux chérubins, qui déploieront leurs ailes. Et la présence divine, quand Dieu y parlait à Moïse, quand Moïse voulait parler à Dieu, il se présentait devant cette arche d'alliance, hein, et on voyait une nuée, une lumière qui montait d'ici au milieu des deux ailes, jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel. D'accord? Bon. Et dans ce coffre-là, il y avait les originaux de la Torah que Dieu a écrit lui-même à Moïse. Que Dieu a écrit lui-même à Moïse. Et le coffre-là, on l'appelle en arabe Et-Tabout. Et-Tabout. Et en français, on l'appelle l'Arche d'Alliance. Elle servait de direction, de prière pour les enfants d'Israël. Ça veut dire quand ils voulaient prier, ils se tournaient vers elle. Elle avait des pouvoirs miraculeux. Il y a même des récits authentiques comme quoi Hitler, lors de la Deuxième Guerre mondiale, il l'a cherché. Parce qu'il l'a considéré comme une bombe atomique. Tellement ses pouvoirs, ils étaient énormes. Avec cette arche d'alliance, les enfants d'Israël, ils n'avaient pas besoin de faire la guerre. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Hein? On n'a pas le droit de la toucher. Si une personne, elle la touche, elle meurt. Elle meurt. Sur le champ. Donc, il y avait quatre anneaux sur les côtés. Hein? Et à l'intérieur des anneaux, il y avait des barres et il la portait comme ça, à quatre. Il la portait à quatre. Bon. Quand Moïse y a dit aux enfants d'Israël, entrez en terre sainte. Dieu vous a donné la terre sainte. Hein? Il les a sortis d'Égypte de ses pharaons. Il les a ramenés à la frontière d'Israël. Il les a ramenés à la frontière d'Israël. Et il leur a dit, entrez, Dieu vous demande d'entrer dans la terre sainte. Hein? Ils ont dit quoi? Ils ont dit, idhab anta wa rabbuka faqatila, nahnu hauna qa'idun. Vas-y, toi et ton Dieu, combat, nous on reste ici. Nous on reste ici. Hein? Et Moïse, Allah leur a dit, innaha muharramatun alaykum 40 sana, tati'u fil ard. Elle vous est interdite pendant 40 ans, la terre sainte. Jérusalem. Pendant 40 ans. Vous allez errer dans le désert du Negev. Hein? Et dans le désert du Negev, quand ils sont installés pendant 40 ans, Allah il dit dans le Coran, wa dhallalna alaykum al-ghamama wa anzalna alaykum al-manna was-salwa. On a mis un nuage. Allah il dit aux enfants d'Israël, on vous a mis un nuage dans le désert du Negev. 50-55 degrés. Hein. Bon, on vous a mis un nuage au-dessus de vous. Il vous faisait de l'ombre contre le soleil. Pendant 40 ans, vous aviez un nuage au-dessus de vous qui vous faisait de l'ombre dans le désert du Negev. Hein? Et on vous a descendu le menna ou esselwa, deux aliments. Alors, le menna ou esselwa, les Arabes, comme c'est des mots que les Arabes ne connaissaient pas, il y a plein de mots que les Arabes ne connaissaient pas. Ils disaient au prophète, ça veut dire quoi ça? Le mot là, on ne l'a jamais entendu. On ne l'a jamais entendu. Alors, ils nous disent que notre prophète Mohammed était illettré, hein? Mais par contre, il connaissait des mots que les poètes arabes ne connaissaient même pas.
Regardez-le, la falsification. Comment ils ont menti sur le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed, il connaissait plusieurs langues. D'accord ? Il connaissait l'hébreu, l'araméen, l'arabe et beaucoup d'autres langues mortes actuellement. Ce qu'on appelle des langues mortes. Donc, le signe comme quoi que le roi qu'ils ont demandé, il vient bien de chez Dieu, c'est qu'on va vous rendre l'arche d'alliance. Et dans cette arche d'alliance, il y a l'original de la Torah. L'original. Ça veut dire qu'ils ont tellement déconné que Dieu leur a repris la Torah. Hein? Que Dieu leur a repris l'original de la Torah. Celle que Dieu a écrite sur la montagne où Moïse est parti le rencontrer. Hein? C'est pour ça Allah dit dans le Coran, وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. Nous avons écrit à Moïse dans les tablettes de toutes choses. Exactement comme Mohammed dans le Coran. D'accord ? À part que le Coran, c'est pas Dieu qui l'a écrit. Le premier qui l'a écrit, c'est l'imam Ali. Et ensuite, c'est Abu Bakr et Omar. Et ensuite, en troisième, c'est Uthman. Et ensuite, en quatrième, les Omeyyades, ils ont encore rectifié. Ils ont encore rectifié le Coran. Hein? Et on va voir les hadiths après. Ils sont là, authentiques. D'accord ? Donc, hein, vous voyez que Dieu, il nous donne des révélations. Et s'il voit qu'on ne les suit pas, et on ne respecte pas les révélations, il nous les reprend. Hein. Et il suffit pour vous de voir l'état des musulmans à notre époque. Hein. Les musulmans, c'est le groupe le plus divisé au monde. 73 groupes. Même les juifs et les chrétiens, ils ne sont pas divisés comme nous. Hein. Et on nous dit qu'on a un livre miraculeux qui guide. Non falsifié. Bah, allez, alors, essayez de comprendre le paradoxe. Hein? C'est une anachronie ce qu'on est en train de nous dire. Hein? C'est pas possible. C'est pas possible de mentir comme ça. C'est pas possible. Hein? Je vous disais ici. Hein? Ce que je vous disais, c'est que c'est vrai, le Coran que Allah a donné au prophète Mohammed. Le Coran de Mohammed, qu'Allah a donné au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, qui lui a donné à lui, c'est vrai qu'il est infalsifiable, mais on ne l'a pas. Il a été repris. Hop. Ce Coran qu'Allah a donné à Mohammed, à chaque fois qu'un verset était révélé, tous les jours, le prophète, il disait à l'imam Ali, viens. Le prophète, il venait dans la maison de l'imam Ali, la maison de Fatima, ce qu'on appelle Ahl al-Bayt, les gens de la demeure prophétique. Donc le prophète, il venait dans la maison, il s'assied avec Ali et il lui disait, écris le verset. Maintenant, écris son explication à côté. Son tafsir. Écris son tafsir à côté. Son explication. D'accord ? Hein ? Hein? Et tout durant 23 ans. Et cela durant 23 ans. L'imam Ali écrivait. Voilà. Et c'était pas dans un livre. C'était dans des feuillets, dans des omoplates de chameau. Et ce Coran-là, ces feuillets-là, ils sont restés dans la maison du prophète, juste à côté. Jusqu'à sa mort, près de son lit. Hein? Et avant de mourir, le prophète, lorsqu'il est en train de mourir, il dit à l'imam Ali, prends tous les feuillets-là. Ils étaient dans un tissu. Ils étaient scellés à l'intérieur d'un tissu, hein, à l'intérieur d'un voile. Et le prophète, il dit à l'imam Ali, prends tous ces feuillets-là et va chez toi les rassembler en livres. Ça veut dire que le Coran complet, il existait à l'époque du prophète. On est en train de nous dire, mais c'est incroyable, on est en train de nous dire que le prophète y est mort sans rassembler le Coran. C'est un truc de malade. On est en train de nous dire que le prophète y est mort sans avoir rassemblé le Coran. C'est grave. Donc il n'y a pas désigné, on nous dit qu'il n'y a pas désigné un remplaçant, il n'y a pas rassemblé le Coran. Ben, ça veut dire quoi? Vous êtes en train de dire que le prophète n'a pas fait son travail. C'est ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dire que le prophète Mohammed n'a pas fait son travail. C'est très grave ce que vous dites. C'est très grave de dire ça. Le Coran, il a été rassemblé par le prophète Mohammed. Ça, c'est clair et net. C'est même pas la peine de mentir. Hein? Vous êtes en train d'égarer des gens pour sauver votre paroisse.
pour sauver votre paroisse, vous égarez des gens. Vous n'avez pas honte? Il a été rassemblé, le Coran. Hein? Il a été rassemblé dans la maison d'Ali. Pendant 23 ans, avec le prophète. C'était son scribe. Et les compagnons, eux, des fois, ils disaient au prophète... Parce que... Mais mettez-vous, si vous voulez comprendre, si vous voulez comprendre, si vous voulez comprendre l'histoire, il faut toujours vous mettre à la place. Il faut toujours vous mettre dans le contexte. Si vous ne vous mettez pas dans le contexte, vous ne comprendrez pas. Dites-vous bien qu'à l'époque du prophète, il n'y a pas d'imprimerie nationale. Il n'y a qu'un seul Coran. À l'époque du prophète, il n'y a qu'un seul Coran. Parce qu'il n'y a pas d'imprimerie nationale. Ça veut dire qu'un compagnon du prophète qui voulait apprendre un verset du Coran, il devait aller voir le prophète. Hein? Il devait aller voir le prophète, ici, et lui dire, ô messager de Dieu, j'ai envie d'apprendre telle sourate. D'accord? Et le prophète, il lui récitait la sourate, et le compagnon, il écrivait pour lui. Il écrivait pour lui dans des omoplates et dans des feuilles de palmier séchées. Il écrivait pour lui. Et cette sourate que le compagnon y a écrite, il la prenait chez lui. Il la prenait chez lui. Hein? Alors, il y a des compagnons, ils étaient assidus dans la science. Ils allaient tout le temps demander, hein, au point qu'ils avaient pratiquement le Coran chez eux. Au point qu'ils avaient pratiquement le Coran chez eux. Hein. Il n'était pas complet, mais ils avaient tellement écrit de versets de la bouche du prophète qu'ils avaient pratiquement le Coran chez eux. Comme Abdullah ibn Mas'ud, hein, comme Obay ibn Ka'b. Hein. Il y en a plein comme ça. Comme, comment ça s'appelle, Khudul Qur'an min Arba'a. Salim Moula Abu Hudayfa. Hein? Ça, c'est des personnes qui écrivaient souvent le Coran pour eux. Hein? Donc le prophète, il leur récitait, et il l'écrivait, et il prenait chez eux. Mais le vrai Coran que le prophète a compilé avec l'imam Ali, il était chez l'imam Ali. Le vrai Coran de la communauté musulmane, il était chez l'imam Ali. Hein? Et ça, c'est écrit dans les livres chiites et dans les livres sunnites. C'est écrit partout. Ça, c'est écrit partout. D'accord? Bon. Donc... Le vrai Coran, il était là. Hein? À la mort du prophète, il y a eu un coup d'État. Il y a eu un coup d'État. Hein? On n'a pas laissé le prophète faire son testament. Regardez. On n'a pas laissé le prophète faire son testament. Bon, ça, j'en ai parlé plusieurs fois. Je ne devrais pas y revenir là-dessus. Parce que j'ai des lives où j'ai ramené Bukhari et tout. Hein? J'en ai parlé plusieurs fois. Regardez ici. Regardez. Ici, Bukhari. Sahih Bukhari. Tome 1. Ici, hadith numéro 114. Regardez. Ibn Abbas il dit, lorsque les souffrances du prophète devinrent vives, hein, il s'écria, qu'on m'apporte de quoi écrire, afin que je vous mette par écrit ce qui vous préservera de l'erreur. Le prophète il a envie d'écrire un testament, une lettre, un témoignage, hein, à sa communauté, comme ça elle est préservée de l'erreur, comme ça elle ne se divise pas en sectes, comme ça elle ne se divise pas. Normalement, n'importe lequel. Je suis sûr et certain que n'importe lequel d'entre nous qui est musulman dans le live, il dirait bah oui, bah punaise, bien sûr. Si le prophète. La yantiqou an al hawa, in huwa illa wahyun yuha. Allah il dit le prophète ne parle pas sous l'effet de son impulsion. Il ne parle que sous l'effet de la révélation. Ça veut dire que si le prophète il veut nous écrire, ça veut dire que c'est Allah qui lui a dit de faire ça. C'est Allah qui lui a dit de faire ça. Hein? Lequel d'entre nous qui se permettrait de venir et dire non, il n'écrit pas. Il est en train de délirer. On n'en veut pas. Regardez. Hein. Il dit qu'on m'apporte de quoi écrire afin que je vous mette par écrit ce qui vous préservera de l'erreur. Après moi. La douleur éprouve durement le prophète, dit Omar. Tiens, comme par hasard, le deuxième calife, il ne veut pas que le prophète y écrive un testament. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas que le prophète écrive un testament? Ça veut dire que tu as un intérêt là-dedans. À ce que le testament ne soit pas écrit. Toi, tu as un intérêt. Sinon, tu te serais tué. Il y a eu une dispute dans la maison. Il y avait le clan de Ali, hein, et les femmes du prophète. Il y avait le clan d'Omar et d'Abu Bakr avec Aïcha, Hafsa et les autres compagnons. Hein. Ils se sont disputés. Le groupe de Ali dit, bah, donnez au prophète de quoi écrire. Pourquoi vous faites ça, hein? Et toutes les autres femmes du prophète, sauf Aïcha et Hafsa, qui étaient avec leur père. Hein? Et Salama, Zineb Ben Jahsh, les autres femmes du prophète, celles dont vous ne connaissez même pas les noms, parce qu'on ne vous a pas parlé. Quand on vous dit la femme du prophète, tout de suite vous dites Aïcha. Ben c'est normal, c'est la fille du calife. Toutes les autres femmes du prophète, elles ont été effacées d'histoire. Hein? Hein? Comme par hasard, la fille du calife Aïcha, c'est celle qui ramène le plus de hadiths. C'est politique. D'accord? Donc ils se sont disputés.
Hein? Hein? Certains, ils disaient donner aux prophètes et d'autres, ils disaient non. Hein? Alors, il dit quoi? Les avis à ce moment divergèrent et la discussion devient assourdissante. Il y a eu de la bagarre. Il y a eu de la bagarre. Et le prophète, il et ça, c'était 3 jours avant qu'il meure. 3 jours avant que le prophète, il meure. Il y a eu de la bagarre chez lui. Imaginez-vous, fermez vos yeux et imaginez-vous, c'est votre père qui est en train de mourir et vous êtes une famille nombreuse. Hein, et vous avez des beaux frères, vous avez des beaux parents, des beaux frères, des beaux fils. Hein, hein, et ils sont dans la pièce. Et de l'autre côté, il y a les enfants du père, ses filles et ses garçons. Et d'un seul coup, vous voyez que les beaux frères et les beaux fils, ils ne sont pas d'accord avec les fils du père. Avec la famille, le lien du sang, ils ne sont pas d'accord dans la maison. Et il y a une grande bagarre. Hein? Si le père, c'est un clochard, il n'est pas riche, il est pauvre, il n'y a pas de bagarre. Hein? Mais si le père, il y a beaucoup d'entreprises, hein? Il est riche, c'est sûr et certain qu'il va avoir de la bagarre entre la belle famille et entre ses propres enfants. Hein? Parce que automatiquement, il y a une des filles du père ou un des garçons du père qui sont mariés avec un homme et une femme, un beau-frère ou une belle-sœur qui veulent de l'argent. Et elles poussent leur mari. Elles lui disent, vas-y, prends ta part. Regarde, laisse pas la part à tes sœurs. Ils vont tout foutre en l'air et tout. Laisse pas, prends ta part. Hein? Et c'est ce qui s'est passé. On nous dit que le prophète, il est pauvre. Quand il est mort, il a laissé des nombreuses richesses derrière lui. Il a laissé des nombreuses richesses chez sa famille, chez sa descendance. Et sa descendance, Fatima, la fille du prophète, elle était chargée de partager ses richesses avec les pauvres. Hein? Et parmi les pauvres, là, il y a beaucoup de compagnons qui connaissaient des hadiths authentiques, mais on ne les a pas rapportés. Parce qu'ils n'étaient pas du côté du califat. Hein? Vous voyez? Mettez-vous dans le contexte. Hein? Regardez. Les voix deviennent assourdissantes. Et le prophète, il dit, retirez-vous, sortez de chez moi. Laissez-moi, reprit le prophète. Il ne convient pas qu'on se dispute en ma présence. Et Ibn Abbas, il dit, il pleurait quand il racontait le hadith là. Il pleurait, il dit, il sortit en disant, le malheur, tout le malheur, est le fait de s'opposer au souhait d'écrire du prophète. Il dit que le plus grand malheur de la communauté musulmane, c'est qu'on n'a pas laissé le prophète écrire son testament. On n'a pas laissé le prophète écrire son testament. Si on avait laissé le prophète écrire son testament, on aurait le vrai Coran, et on aurait le vrai calife. Hein? On aurait le vrai Coran et on aurait le vrai calife. D'accord? Hein? Si on n'a pas le vrai Coran, l'authentique, celui qui a été révélé au prophète, hein? Celui dont Allah dit, il n'est pas falsifié, il est clair, il n'est pas ambigu. Laïssa dit Iouj. Il n'est pas tortueux ce Coran. Hein, son explication, elle est claire. Il n'y en a qu'une d'explication. Elle est claire, son explication. Il n'y en a pas 300 comme le vôtre, comme votre courant. Hein. Il n'y en a qu'une d'explication. Et regardez ce qu'il dit ici. Shahristani, un des plus grands savants sunnites. Hein, un des plus grands savants sunnites. Il est vénéré par les salafistes. Il est vénéré, c'est pour dire. Hein. Regardez ce qu'il dit dans son livre, Les Sectes. Il a écrit un livre, Les Sectes. Il s'appelle Shahristani. Ici, j'ai le tome 1, tome 2 et tome 3 en un seul volume. Regardez ce qu'il dit. Ici. Regardez ce qu'il dit. Ici, il parle de la division. Hein, il parle de la division des musulmans. Bon, là, il faut que je mette mes lunettes parce que je ne vois plus trop bien. Comme il y a des livres qu'on ne peut pas avoir, on peut pas avoir en livre parce qu'ils sont, invendables, ils ne les vendent pas. Hein, ils ne les vendent pas hein, et ils ne sont pas traduits. Comme on ne les a pas, je lis sur une tablette. J'ai essayé avec une liseuse, c'est pas terrible. Donc je lis énormément dans une tablette et de ce fait, j'arrive plus. Alors il est en train de raconter, ici Shahristani, il est en train de raconter qu'est-ce qui a causé la perte et la division de la communauté musulmane. Qu'est-ce qui a causé la perte et la division de la communauté musulmane? Regardez ce qu'il dit. Il dit, فأول التنازع في مرضه عليه السلام فيما رواه محمد بن إسماعيل البخاري. Il dit, la première division des musulmans, la première division en groupe des musulmans, c'est lorsqu'il était malade, hein, durant la maladie qui a entraîné sa mort,
Hein? Et ça a été rapporté par Mohamed Ismaël, c'est-à-dire le Bukhari. Mohamed ibn Ismaël, c'est-à-dire ça a été rapporté par le Bukhari. C'est le hadith que je vous ai lu. Donc c'est authentique chez les sunnites. Hein? Et même chez les chiites, c'est authentique. D'accord? Parce qu'ils ont le même récit. Hein? Il dit quoi? Lamma shtadda bin nabi, maradihi alladhi mata fihi. Il dit, lorsque la douleur du prophète s'est augmentée, hein, durant sa maladie qui a entraîné sa mort, qala, il a dit, écoutez, qala, ituni bidawat wa qirtas, aktub lakum kitaban la tadillu ba'di. Il dit, apportez-moi des omoplates de chameau ou des feuilles de palmier, je veux vous écrire un livre. Je vais vous écrire un écrit, vous n'allez pas vous diviser. Vous n'allez pas vous égarer après ma mort. Faqala Omar, et Omar il dit, Inna Rasulullah qad ghalabahu al-waja'. Omar il dit, le prophète, la douleur l'a terrassé. Hein? Il a dit, Yahjur. Inna Rasulullah la Yahjur. Le prophète est en train de délirer. Wallah, il a dit Yahjur dans les hadiths. Il a dit, le prophète est en train de délirer. Il ne sait pas ce qu'il dit. Hein? Et Allah, il dit dans le Coran, votre compagnon Mohammed ne délire pas. D'accord? Et il dit, le prophète est en train de délirer. Ghalabahu al-waja' hasbuna kitab Allah. Nous avons le Coran, il nous suffit. Hein? Alors qu'à l'époque-là, Omar, il n'y avait pas le Coran. Le Coran, il était chez l'imam Ali. Les compagnons, ils n'avaient pas encore compilé le Coran en complet. Ils avaient des fragments de Coran chez eux. Il y en a, ils avaient 3 sourates. Il y en a, ils avaient 70 sourates chez eux. Ils les avaient recopiés de la bouche du prophète pour eux-mêmes, pas pour la communauté. Mais ils n'avaient pas le Coran de la communauté, celui qu'Ali a compilé. Ils ne l'avaient pas. Hein? Donc Omar, il dit, « Hasbuna kitab Allah », nous avons le Coran. Hein? D'accord, hein? Kitab Allah. « Fakasura l'arat », les voix se sont élevées. Les gens, ils ont commencé à se diviser. Hein, ils n'étaient pas d'accord. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, qumu anni la yanbaghi andi tanazu. Le prophète, il dit, levez-vous. Hein, il ne vous appartient pas de vous disputer devant moi. Vous n'avez pas le droit. C'est interdit. Hein. Et c'est le même hadith qui est rapporté là. Wa qala ibn Abbas, al-raziya kurru raziya, ma hala baynana wa bayna kitab rasulillah. Il dit, la pire des malédictions, Ibn Abbas, il est sorti en pleurant et il dit, la pire des malédictions, c'est ce qui a séparé entre nous et entre l'écrit du prophète. On ne nous a pas laissé accéder à l'écrit du prophète. On a empêché le prophète d'écrire, on a empêché le prophète de faire ses recommandations à la communauté. On ne l'a pas laissé faire les recommandations à la communauté. Vous voyez, c'est rapporté dans tous les livres. Hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous sorte? Hein? Alors, Pourquoi je dis tout ça? Bon. C'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. Ce que j'ai fait au début, c'était que l'introduction. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon. À chaque fois, dans le Coran, Allah il dit, écoutez bien. À chaque fois dans le Coran, Allah il dit au prophète, Mohammed, on t'a donné le livre, hein, et la hikma. On t'a donné le livre et la hikma, ce qu'on traduit en français sagesse. La sagesse du livre. Bon. Donc Allah il a donné deux choses au prophète. Le livre, il est là. Le livre qu'on a aujourd'hui, le Coran, il est là. D'accord? Elle est où la hikma? La sagesse, elle est où? Hein? On n'a qu'une moitié du livre. On n'a qu'une partie du livre. Il nous manque la sagesse. Elle est où la sagesse? Hein? Regardez. Allez. Surat 2, verset 129. Ici. Abraham, quand il a déposé Sarah, et quand il a déposé Hagar et Ismaël à la Mecque, et quand Abraham
Et Ismaël élevait les assises de la maison quand il les a déposées. Bon, quand il a construit la Kaaba, d'accord? Hein? Ismaël, il a grandi. Abraham, il est venu de Jérusalem, d'Hébron, en Palestine, en Israël. Il est venu d'Israël. Il vient à la Mecque. Il construit la Kaaba, la pierre noire, ce qu'on appelle le cube. D'accord? Bon. Et il s'en va. Il grimpe sur une colline de la Mecque, il se tourne vers la Kaaba, il lève les mains et il fait une invocation. Et il dit, notre Seigneur envoie l'un des leurs comme messager parmi eux. C'est-à-dire le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed, il dit, je suis l'invocation de notre père Abraham. Le prophète Mohammed, il dit, je suis l'invocation de notre père Abraham. Donc Ibrahim, il a levé les mains du côté de la Kaaba et il a dit, écoutez, il a dit, envoie-leur comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets. Pour leur enseigner le livre et la sagesse. Pour leur enseigner le livre et la sagesse. El kitab wal hikma. Wal hikma, regardez. Regardez. Rabbana, Rabbana wab'ad fihim rasoulun minhum yatlu alihim ayatika wa yu'allimuhum el kitab wal hikma. Il leur apprend le kitab, le livre et la sagesse. Le Coran et la sagesse. Elle est où la sagesse? Elle est où la sagesse? On ne l'a pas. Verset surat 251. Regardez. Hein. Ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous, ô les Arabes. On vous a envoyé un messager de chez vous. Comme on a envoyé un messager aux Juifs de chez eux. Comme on a envoyé un messager. Hein, Jésus, c'est le roi des Juifs. Bah, hein. En fait, il n'a envoyé qu'aux Juifs et aux Arabes. Les autres, on ne connaît pas. Il y a eu des autres civilisations, mais Dieu n'en a pas parlé dans le Coran. Dieu n'a parlé que des peuples de Moïse, de Jésus et de Mohammed. Il a parlé des Had, des Tamoud, du peuple de Noé. Ils ont été détruits. Ils ne sont plus là. Ceux qui restent aujourd'hui, c'est qui? C'est les Juifs, hein, Jésus et Moïse, et les Arabes. On est clair? Bon. Donc il dit ici, Allah il dit au prophète, « Ainsi nous avons envoyé parmi vous un messager. » Il dit aux compagnons, « On vous a envoyé un messager de chez vous, qui vous récite nos versets. » Qui vous purifie et vous enseigne le livre et la sagesse. Le kitab wal hikma. Elle est où la sagesse? Elle est où? Hein? Comprenez? Hein? Le kitab wal hikma. Elle est où le hikma? Bon, regardez ici. 251. C'est récurrent. Hein? C'est récurrent. 251. Ici. Ici. Ça, c'est pour les enfants d'Israël. Ça, c'est pour les enfants d'Israël. 251. Et ils mirent en déroute par la grâce d'Allah et David tua Goliath. Et Allah lui donna la royauté et la sagesse. La sagesse. Allah y a donné à David la sagesse. Parce que vous savez, ce qu'on appelle les psaumes. D'accord? Il lui a donné la sagesse. D'accord? Bon. Ici, surat 3, verset 48. Regardez ça. Ah, c'est... Ici, Jésus, écoutez, hein, Jésus, Marie, verset 47, elle dit, « Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» C'est ainsi, dit-il, Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il dit... Seulement soit et elle est aussitôt. Et Allah lui enseignera l'écriture et la sagesse. Le livre et la sagesse. D'accord? Le livre et la sagesse. Regardez, regardez. Alors, elle dit... Allah yukhliku man yasha. Wa yu'allimuhu al-kitaba wal-hikma. Wa yu'allimuhu al-kitaba wal-hikma. Le livre et la sagesse. D'accord? Elle est où la sagesse chez les chrétiens? Elle est où? C'est drôle, hein? La sagesse, elle a disparu de chez les juifs, elle a disparu de chez les chrétiens, et elle a disparu de chez les musulmans, subhanallah. La sagesse, elle a... c'est drôle, hein? On a le livre, mais on n'a pas la sagesse. Regardez. Bon. Alors. Surat 3, verset 113. Regardez. «
Non, verset 125. Sourate 5, verset 125. Ici. Je me suis trompé quelque part là. Ouais, je me suis trompé quelque part. J'ai dû emmêler les pinceaux là. Sourate 3, sourate 33, on va voir si je ne me suis pas trompé. Là, ici. Ah, sourate 33, regardez ça, celle-ci. Hein. Celle-ci, elle est bonne. C'est vrai, on a le temps, on fait Ramadan. Verset 34, ici. Regardez. Regardez. Allah, il parle aux épouses du prophète, aux femmes du prophète Mohammed. D'accord ? Et verset 33, 34, il dit, « Et gardez dans vos mémoires ce qui dans vos foyers est récité des versets d'Allah et de la sagesse. » De la sagesse. Des versets d'Allah, c'est quelque chose. Et la sagesse, c'est autre chose. D'accord ? Regardez. Hein ? Les versets d'Allah. Regardez. Regardez. Mais toute la fi buyutikunna min ayatillah, parmi les versets d'Allah, wal hikma, les versets d'Allah et la sagesse. Mais toute la, ça veut dire réciter. Donc la sagesse, elle se récite. La sagesse, c'est quelque chose qu'on récite. D'accord? Comme les versets d'Allah. Elle est où la sagesse? On ne l'a pas. Elle est où la sagesse? Hein? Sourate 62, verset 2. Regardez. Regardez. C'est lui, sur la 62, verset 2. Regardez. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, les Arabes, un messager des leurs qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse. Il leur enseigne le livre et la sagesse. Elle est où la sagesse ? Elle est où la sagesse? Bon. Il y en a plein. Hein? Bon, il y en a plein. Alors, c'est quoi la sagesse? C'est quoi? Sourate 3, verset 164. Regardez. Regardez bien. Allah a très certainement fait une faveur, un cadeau aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager, le prophète Mohammed, parmi eux, qui leur récite ces versets. Il leur récite ces versets. Il les purifie et il leur enseigne le livre et la sagesse. Elle est où la sagesse ? Yu'allimuhum al-kitab wal-hikma. Yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma, le livre et la sagesse. Elle est où la sagesse? Elle est où? Hein? Sourate 17, verset 36, 39. Regardez. La dernière, après j'arrête, parce qu'il y en a beaucoup. Verset 36. Regardez, Allah il dit, et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Ne poursuis pas, et là il parle à nous, il ne parle pas au prophète. Là il parle à nous, d'accord? C'est le ma'na, ya ki a'ni, wa sma'i ya jara. J'en ai déjà parlé de ça. Le prophète a dit, le Coran a été révélé en parabole. D'accord? Le Coran a été révélé en parabole. D'accord? En allégorie, en parabole. Hein? Selon la ma'na, selon la parabole de Yaki Ani Wesma'i Yajara, c'est à toi que je m'adresse indirectement en parlant à la voisine. C'est ça que ça veut dire. Hein? C'est ce qu'ils disaient les Arabes. Quand ils voulaient dire une chose à une personne et ils savaient que la personne elle allait le prendre mal, ils s'adressaient indirectement à une autre personne qu'ils connaissaient bien, hein, pour que l'autre elle écoute et puis elle se sente concernée. Ça s'appelle Yaki Ani Wesma'i Yajara. C'est ça que ça veut dire. Donc quand il dit et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, il ne parle pas au prophète Mohammed. Hein? En passant par le prophète, il s'adresse indirectement à nous. Ça veut dire, n'allez pas expliquer les versets du Coran selon votre avis personnel. N'allez pas, ne poursuis pas les versets dont tu n'as aucune connaissance.
en essayant de les interpréter par toi-même. D'accord ? Hein ? Louis, la vue, le cœur, tout cela, en vérité, sera interrogé. On va être interrogé sur ce que tu as dit, sur ce que tu as interprété toi-même, sur ce que tu as menti. Tu vas être interrogé le jour du jugement dernier. Et ne foule pas la terre avec orgueil. Tu ne seras jamais... Et là, il parle d'orgueil. Pourquoi ? Parce que les gens, ils aiment bien interpréter eux-mêmes. Comme ça, les autres, ils les suivent. Ils les suivent. Les gens, ils aiment bien ramener une explication que personne n'a ramenée. L'exclusivité. Moi, j'ai ramené une explication du Coran exclusive que personne n'a. Comment t'as fait, frère ? Tu l'as pris de quel livre ? Non ? Je me suis endormi, puis c'est tout simplement, c'est mon intelligence et mon cerveau. Je me suis réveillé le matin, puis je savais tout. J'ai ouvert le Coran, je comprenais tout. On dirait qu'il s'est ouvert, à moi comme une fleur. D'accord ? Hein ? Pourquoi ? Pourquoi ? Par orgueil. Hein ? Comme ça, les gens, ils le suivent. Hein? Donc il va toujours chercher. C'est pour ça qu'il y a 300 explications du Coran. Hein? Chaque explicateur, il voulait être mieux que son copain. Hein? Chaque explicateur du Coran, il voulait être mieux que son copain. Hein? Il voulait que sa paroisse, elle soit pleine. Hein? Et que la paroisse de l'autre savant, il n'y ait que deux personnes dedans. C'est ça qu'il voulait. Hein? Et regardez. Et ne foule pas la terre avec orgueil. Tu ne sauras jamais fendre la terre et tu ne pourras jamais atteindre les hauteurs de montagne. Ce qui est mauvais en tout ça, cela est détesté de ton Seigneur. Tout cela fait partie de ce que ton Seigneur t'a révélé de la sagesse. Tout cela, ça fait partie de la sagesse. C'est pas ton garde-fou à toi. Ça ne t'appartient pas. Tu n'as pas le droit de rentrer là-dedans. Explique le Coran toi-même. Ça fait partie de la sagesse que Dieu a révélée. Et la sagesse, toi, tu ne la connais pas. Elle n'est pas pour toi. Elle n'est pas pour toi. La sagesse, elle est faite pour les hommes que Allah a choisis. Les prophètes, les messagers, et les imams désignés et les rois désignés par Dieu, comme David et Salomon. C'est pas pour toi. N'essaye pas d'aller expliquer la sagesse toi-même. Tu es en train de commettre un grand péché. D'accord ? Hein ? D'accord ? Hein ? N'assigne donc pas à Allah d'autres divinités. Ça veut dire quoi ? Ne te mets pas, ne te positionne pas en Dieu. Hein ? À côté d'Allah. En essayant d'expliquer la sagesse. Seul Allah connaît la sagesse. Et il la donne à qui il veut. Il la donne à qui il veut. Hein ? Hein ? N'essaie pas de t'établir en Dieu. Hein ? C'est pour ça Allah dit dans le Coran « Ara'aita min ittakhada ilahahu » Hawah, n'as-tu pas vu celui qui prend comme divinité ses passions? Il explique tout à sa manière. Hein? Hein? Il s'adore lui-même. Hein? Il est amoureux de lui. Hein? Il est amoureux de lui. Égocentriste, on appelle ça. Il pense que tout le monde tourne autour de lui. Il essaye d'expliquer la sagesse, alors qu'il est loin de là. Bon, alors, vous avez vu? Vous avez vu? Avec le peu de versets que je vous ai ramenés sur la sagesse, maintenant, vous êtes sûr qu'Allah y a révélé deux livres. Un livre qui contient le Coran et un livre qui contient son explication. D'accord ? Hein ? Appelez-le comme vous voulez. Tafsir, Ta'wil. D'accord ? Hein ? Hadith. D'accord ? Alors, appelez-le comme vous voulez. Hein. Si vous l'appelez tafsir, c'est bon. Si vous l'appelez ta'wil, c'est bon. Si vous l'appelez hadith, c'est bon. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Hein ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ici, nous avons, ici, le prophète a reçu le livre et la sagesse. Hein. L'imam Ali a écrit le livre et la sagesse. Il l'a écrit. D'accord ? Ça, les compagnons, ils l'ont dégagé. Et ils ont réécrit un Coran, hein, avec leur hadith à eux. Voilà. Qu'ils expliquent le Coran. Et dans les hadiths là, il y a beaucoup de mensonges. Il y a énormément de mensonges. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils se sauvent de l'islam et ils deviennent coranistes. Regardez. Son disciple, ici, Bukhari. Sahih Bukhari. Hein, Mohammed ibn Ismail, al-Bukhari. Bon. Son disciple à Bukhari, hein, a dit, j'ai entendu Mohammed ibn Ismail, j'ai entendu le Bukhari dire, je mémorise 300 000 hadiths authentiques. 300 000 hadiths. 200 000 autres hadiths non authentiques. Je mémorise 100 000. 100 000 hadiths authentiques et 200 000 faux. 200 000 faux hadiths et 100 000 hadiths vrais. Ça fait 300 000. C'est énorme.
Bukhari, il dit qu'il connaissait 300 000 hadiths. C'est énorme. Hein? J'ai calculé. Hein? J'ai calculé. Dans le Sahih, on a 7563 hadiths. 7563. Donc si on compte 300 000, ça fait 169 livres comme ça. 169 livres comme ça, il connaissait, de hadiths. Alors qu'aujourd'hui, on en a que 4. Aujourd'hui, on n'en a que 4. Hein? 169 livres comme ça. Il connaissait, selon lui. Hein? C'est énorme. Avec les chaînes de transmission, avec Sanad, hein? Ou Al-Matn, c'est pas possible. Hein? Est-ce que c'est possible qu'un homme puisse connaître 169 livres comme ça, sur la sagesse? D'accord? Parce qu'à la base, la sagesse, c'est quoi? C'est les hadiths. Les hadiths ne sont que l'explication du Coran. Allah il a dit ça sur tel verset et le prophète explique aux compagnons la sagesse et eux ils écrivent. C'est pour ça qu'ils ont interdit. Ils ont interdit d'écrire les hadiths. Hein? Pendant 2 siècles, ils ont interdit d'écrire les hadiths. Hein? Omar, il interdisait. Hein? Les hadiths, ils ont commencé à être écrits au 2e siècle. Il n'y a que le Mu'tad Malik chez les sunnites qui a été écrit au 1er siècle. En l'an 120 à peu près de l'Égypte. Le Mu'tad de l'imam Malik. Ils ont interdit aux gens d'écrire l'explication du Coran par le prophète. Pour cacher quoi? Le coup d'État. Pour cacher le coup d'État qu'il y a eu. Hein? Et c'est seulement 200 ans plus tard, le 2e siècle, qu'ils ont commencé à écrire les hadiths. D'un côté, ils disent le prophète nous a interdit. Puis après, donc Bukhari a désobéi. Bukhari et Muslim, ils ont désobéi au prophète. On ne suit pas quelqu'un qui a désobéi. Le prophète, il interdit à sa communauté d'écrire, et Bukhari et Muslim, ils écrivent les hadiths. Hein? Et quand on leur dit, pourquoi t'écris les hadiths? Pourquoi c'est interdit d'écrire les hadiths? Il dit, parce que le prophète, il voulait pas que les hadiths, ils se mélangent aux versets du Coran. Hein? Le prophète, il voulait pas que les hadiths, ils se mélangent aux versets du Coran. C'est faux, ça. Ça, c'est faux. Hein? Montrez-moi n'importe quel musulman d'aujourd'hui qui va mélanger un hadith avec un verset. Ça n'existe pas. Les compagnons seraient-ils plus cons que nous? Hein? Les compagnons seraient-ils plus cons que nous pour mélanger le Coran et les hadiths? Ça se voit quand tu lis un hadith que ce n'est pas des versets du Coran. Wallah, ça saute aux yeux. Hein? Par exemple, chez les chrétiens, les 4 évangiles, chez les chrétiens, les 4 évangiles, ce n'est pas les évangiles, hein? Ce n'est pas l'évangile de Jésus, c'est les hadiths de Marc, de Luc, hein, de Jean et de Matthieu. Wallah, vous allez voir les évangiles, regardez. Quand vous lisez les évangiles, vous voyez pas que c'est Dieu qui s'adresse à... Vous voyez pas que c'est Dieu qui s'adresse à Jésus. Vous voyez Marc, Luc, Jean et Matthieu, ils vous disent « Et Jésus est parti là, et il est rentré par là, et il a été dans telle maison, et il a fait ceci, et il a fait cela. » Vous voyez pas ça? Regardez, ici c'est les hadiths. C'est les hadiths des apôtres. C'est pas l'évangile de Jésus. C'est pour ça qu'on les appelle l'évangile de Jean. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc, hein, et l'évangile de... Il y a beaucoup d'autres qui ont été nommés apocryphes, c'est-à-dire bid'a. Regardez, ici, vous avez la Bible. Voilà, regardez. Nouvelle édition, hein. C'est comme chez les musulmans, il y a toujours des nouvelles éditions. Parce que l'ancienne, l'ancienne, elle n'était pas bonne, sûrement. C'est pour ça qu'il y en a une nouvelle. Comment ils se foutent de la gueule des gens, Allah, c'est incroyable. Regardez, alors... Et regardez où je suis tombé. Regardez. Je suis tombé par hasard. Wallah al-Adim, c'était pas prévu. Regardez. C'était pas prévu. Regardez. Regardez. L'enseignement de la sagesse paraît placé dans un cadre familial. L'enseignement de la sagesse. Regardez. Regardez. Je vous ai enseigné le livre et la sagesse. Regardez. L'enseignement de la sagesse, hein, paraît placé dans un cadre familial. Dans les discours, le locuteur s'adresse à son fils, etc. La sagesse. Hein? La sagesse, c'est quoi? C'est l'éducation et l'enseignement du Coran. La sagesse, c'est l'éducation. Hein? Alors, comment se comporter pour enseigner le Coran aux gens? Hein? Comment se comporter pour enseigner le Coran? Hein? D'accord? Et comment expliquer le verset dans le sens de l'éducation? Afin que les gens, ils se réforment. C'est ça, la sagesse. Et nous, on ne l'a pas. On ne l'a pas. On nous l'a volé. On nous a volé la sagesse. D'accord? Hein? Regardez, ça, c'est l'Ancien Testament. Ézéchiel. Ici, on a Marc, regardez, là-dessus, regardez, Marc qui dit, là-dessus, Jésus appela la foule, ainsi que ses disciples, et il leur dit, vous voyez, c'est ce que les apôtres, ils ont vu.
C'est les hadiths. C'est ce que vous, vous appelez les hadiths chez les musulmans. Les récits des apôtres. Hadith, ça veut dire récit. Récit. Ce qu'on a, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Non, c'est le récit de la vie de Jésus tel que Marc l'a rapporté, tel que Luc l'a rapporté, tel que Jean l'a rapporté, tel que Matthieu l'a rapporté. Ils en ont choisi 4, mais en vérité, il y en a beaucoup plus que 70. Hein? Les autres, ils s'appellent les évangiles apocryphes. Si vous allez, sur Internet et vous tapez « évangile apocryphe », vous allez tomber sur ça. Voilà. Un apocryphe est un écrit dont l'authenticité n'est pas établie dans le domaine biblique. Ça veut dire ils disent que c'est faux. Mais ça, c'est eux qui disent que c'est faux. Hein? Alors, l'expression désigne à partir de la construction des canons, ce qui est canonique. Hein? Un texte jugé inauthentique par les autorités religieuses. Non authentique par les savants. Par les savants. Ceux qui prêchent pour leur paroisse. Ils ont un intérêt de dire que cet évangile, elle n'est pas authentique. Ils ont un intérêt. D'accord ? Regardez, évangile apocryphe. Regardez. Voyez ? Alors, il y en a beaucoup. Normalement, on devrait avoir la liste. Attendez, je vais taper liste. Regardez. Hein. Pourquoi on les cache ? Hein ? C'est comme chez les chiites et les sunnites. Il y a des livres qu'on cache. Apocryphe biblique. Alors, normalement, on a la liste, ils sont là. Regardez. La liste des apocryphes. Regardez. Alors, Apocalypse d'Abraham, Apocalypse d'Adam, Apocalypse de Daniel, Apocalypse de Salomon, Lettre à Aristée, tout ça, on ne l'a pas. Tout ça, on ne l'a pas. Texte de la Nouvelle Jérusalem, le martyr d'Isaïe, les oracles de Sibylin, tout ça, on ne les a pas. Apocalypse grec, Apocalypse de Barouche, Apocalypse syriaque de Barouche, Apocalypse de Noé, tout ça, on ne les a pas. On ne les a pas. Voilà. Ascension de Moïse, testament de Moïse. Même le testament de Moïse, on ne l'a pas. Hein? Comme le testament du prophète. Il est apocryphe. Le testament du prophète Mohammed, on ne l'a pas. Hein? Vous voyez, on est en train de vous mener en bateau. Vous êtes des vaches à lait. Et on vous trait. On vous trait à chaque fois. Hein? Sous le couvert de la foi. Envoyez de l'argent ici pour faire des puits. Envoyez de l'argent là-bas pour faire des. Pour maintenant, faites l'humanitaire, allez-y là-bas, la Croix-Rouge, l'islam, je ne sais pas quoi. Voilà. Vous êtes. On nous prend pour des pompes afriques. Voilà. Voilà ce qu'on est. On est des pompes afriques. Hein? Du fait qu'on n'a pas étudié, donc on est en train de se foutre de notre gueule. Voilà. C'est foutage de gueule. D'accord ? Foutage de gueule. À gogo. D'accord ? Regardez ici. Bah, regardez ici. La sagesse. Regardez. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ? Ici. Ici, on a le Bukhari. Regardez. On a le Bukhari. Bah, je vous montre. Hein. Faut que vous voyez quand même. Bukhari. D'accord ? C'est bel Bukhari. Hein. Regardez. Hop. Alors, d'après l'Aziz ibn Abdillah, d'après Ibrahim ibn Sa'd, d'après Shihab, d'après Anas, Uthman convoqua Zayd ibn Thabit. Le troisième calife Uthman, il a convoqué Zayd ibn Thabit, un petit Médinois de 18 ans. Un petit Médinois de 18 ans. Hein, qui savait écrire l'araméen et il savait écrire l'arabe. Donc il l'a appelé Zayd ibn Thabit, Abdel ibn Zubair. Le fils de Zubair ibn Awam, j'en ai déjà parlé, Saïd ibn al-As, hein, et Abdurrahman ibn al-Harid, que des enfants de compagnons. Il a appelé des enfants de compagnons qu'ils étaient lettrés, qu'ils savaient écrire. Ibn Hisham, pour multiplier les copies du Coran, hein, ils les transcrivent sur des feuilles de cahier, masahif. Ils les ont écrits dans des feuilles à l'époque de Uthman. Uthman dit alors aux trois personnages de Quraysh, si vous êtes en désaccord sur les versets, si vous êtes en désaccord sur les versets, ça veut dire ils connaissaient pas tous les mêmes versets. Hein? Avec Zayd ibn Thabit, parce que les trois là, Abdullah ibn Zubair, c'est un Mekwa. Saïd ibn al-As, c'est un Mekwa. Abdurrahman ibn al-Harith, c'est un Mekwa. Et Zayd ibn Thabit, c'est un Médinois.
Et le troisième faux calife, Othman, il leur dit, si vous êtes en désaccord avec Zayd le Médinois sur l'orthographe du Coran, hein, optez pour celle du dialecte de Quraysh. Écrivez-le comme Quraysh. Écrivez-le pas comme Allah il l'a révélé. Non. Si vous n'êtes pas d'accord sur des versets, ne les écrivez pas tels qu'Allah les a révélés. Écrivez-les tels que Quraysh parle. Dans la langue de Quraysh. Yeah. C'est pour ça qu'on nous dit, non, le Coran a été révélé selon cette version. Voilà. Et... bon, s'il a été révélé, si le Coran a été révélé selon cette version, c'est qu'Allah, il voulait qu'il soit révélé selon cette version. Pourquoi Othman n'en fait qu'une? Ça veut dire Othman, il a supprimé 6 versions authentiques du Coran. Ça tient pas debout, leur connerie. Hein? Il suffit juste d'être un petit peu intelligent pour comprendre que ça tient pas debout. Hein? Un calife qui supprime 6 versions authentiques du Coran et il les rend apocryphes. Hein? D'accord? Hein? Et avec Zayd sur l'autographe du Coran. Optez pour le dialecte de Quraysh. Car c'est dans cette langue que le Coran a été révélé. En se conformant à ses instructions. Allez? Hein? Donc ils se contredisent. Hein? S'il y a plusieurs versions, il dit si vous n'êtes pas d'accord sur les versions, parce qu'il y en a plusieurs, écrivez-le dans la version de Quraysh, parce que le Coran a été révélé dans cette langue. Dans cette langue. Alors pourquoi vous dites qu'il y a 7 versions? C'est Ba'aqira'at. Cette façon de lire le Coran. Hein? Renseignez-vous. Vous allez voir que je ne vous raconte pas de conneries. Renseignez-vous. Hein? Voyez? Bon. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus authentique. Bukhari. D'accord? Ici, on a quoi? Regardez. Ça, c'est le tome 2. J'ai pas dit le numéro du hadith. Pour ceux qui veulent noter. Le numéro du hadith, c'est... 3506, Bukhari. Ici. Alors ici. Alors comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? L'imam Ali, il a écrit le Coran. Hein? Il a lavé le corps du prophète. Hein? C'est dans les récits. Hein? Ensuite, je vais le montrer par la suite. Il a lavé le corps du prophète. Hein? Alors ici. Donc le prophète, Allah il a donné le Coran au prophète, le vrai Coran, là. Hein. Celui-ci a été écrit et a été écrit chez la famille du prophète. Hein. Dedans, il y avait le Coran et la sagesse, c'est-à-dire le Coran et son explication. Maintenant, vous allez trouver ça. Ça, c'est par exemple, Suyuti. Ça, c'est Suyuti. Tafsir Jalalain. Le tafsir, ça veut dire la sagesse. Tafsir, ça veut dire la sagesse du Coran. D'accord? Donc, vous allez trouver ça, des livres comme ça, d'accord? Vous allez avoir le Coran ici et la sagesse, là. Mais la sagesse, ça, c'est pas celle qu'Allah y a révélée. Ça, c'est celle que les savants, ils ont dit. Hein? C'est pas la sagesse que le prophète y a appris à l'imam Ali. Ça, c'est ce que les savants, ils ont écrit. D'accord? Voilà. Donc, on a le Coran et la sagesse. Mais nous, on veut pas ça. Nous, on veut pas la sagesse des savants. Nous, les 300 explications, les 300 sagesses du Coran, là. Les 300. Nous, on n'en veut pas, nous. Nous, on veut la sagesse de Dieu, l'explication d'Allah, telle qu'il l'a expliqué au prophète, et que le prophète a compilé dans un livre qui est resté, c'est sa fille Fatima, et son gendre Ali. C'est ça qu'on veut, nous. C'est ça qu'on veut. D'accord? Ici, on a quoi? Ici. Regardez, ici. Regardez. Ici, on a un hadith dans Bukhari. Regardez, dans Bukhari. Vous voyez? Tome 4. On a ce hadith-là. Regardez. Ibn Abbas. Hein, selon Atta, Ibn Abbas rapporte qu'il a entendu l'envoyé d'Allah dire « Le fils d'Adam aurait-il une vallée pleine de richesses qu'il en voudrait une autre? Seule la terre de la tombe donne la satiété à l'œil du fils d'Adam. » Ça, c'est un verset... Ça, c'est un verset qui n'est pas dans le Coran. Omar, il dit qu'il a été rapporté ce verset-là, mais il n'est pas dans le Coran. Ils l'ont oublié. Ils l'ont oublié quand ils ont rassemblé le Coran. Ils l'ont oublié. Hein? Hein? Regardez. « Qala ibn Abbas, hein? Fala adri min al-Qur'an huwa amla. » Hein? Il dit, donc il récite le verset, et il dit, « Je ne sais pas, ajoute ibn Abbas, si ces derniers mots sont du Coran ou non. »
Hein? Je ne sais pas si ce verset-là, il est du Coran ou non. Hein? فقال ابن عباس فلا أدري من القرآن hein? من القرآن هو أم لا. Je ne sais pas si ce verset-là, il est du Coran ou non. D'accord? Et j'ai entendu Zubir, hein? وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر. Et j'ai entendu Ibn Zubair dire la même chose sur le minbar de la mosquée. Il a récité le verset là et il ne sait pas si ce verset là était dans le Coran ou non. Et même Omar, dans Sahih Muslim, il récite des versets et il dit je le connaissais par cœur, mais on ne l'a pas mis dans le Coran. Parce qu'on a fait une règle. Lorsqu'on a rassemblé, lorsqu'on a jeté le Coran d'Ali, lorsqu'on a dit à l'imam Ali, on ne veut pas ton Coran. Hein, on a dû écrire le nôtre. Hein, le Coran d'État. Parce que eux, ils se sont déclarés l'État musulman. C'est eux l'État. Et vous voyez, l'État, il n'y a pas de Coran. Hein, l'État, il faut qu'il y ait un Coran. C'est normal. Hein. Donc quand ils ont fait un Coran d'État, hein, Omar a fait une règle. Il a dit toute personne qui connaît un verset ou qui a un verset chez elle, elle doit ramener deux témoins qui le connaissent. Elle doit ramener deux témoins qui le connaissent. Si elle n'a pas deux témoins qui connaissent ce verset-là, on ne le met pas. Imaginez-vous. Ça veut dire que même si le verset est authentique et la personne n'a pas de témoins, on ne le met pas. D'accord? Et ce verset-là, il est authentique. Et Ibn Abbas, il dit, je ne sais pas s'il y a du Coran ou non. C'est un verset du Coran. Même Omar, il le dit. Il dit, on a oublié de le mettre. Parce que Omar, il dit, il n'y a que moi qui le connaissais. Hein? Bien sûr, Ali connaissait tous les versets. Mais Ali, ils l'ont mis de côté. L'imam Ali, comme il est de la famille du prophète, ils l'ont mis de côté. Ils auraient pu l'appeler et lui dire, donne-nous ton Coran. Omar, il l'a fait. Il l'a fait, ça. Il l'a appelé, il lui a dit, donne-nous ton Coran. Mais il voulait le détruire durant son califat. Et il y a le hadith. Hein? Il y a le hadith. Hein? Bon. Donc, ils auraient fait ça. Ils auraient appelé l'imam Ali, mais eux, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas Obey ibn Ka'b. Obey ibn Ka'b, c'était un rabbin qui est devenu musulman et il connaissait le Coran par cœur. Et ils ne l'ont même pas appelé. Ils n'ont même pas appelé Obey. Hein? Il a appris le Coran de la bouche du prophète, Obey ibn Ka'b. C'était un rabbin. Et c'est devenu un musulman. Hein? Ils n'ont pas appelé Abdel ibn Mus'ud. Abdel ibn Mus'ud, il n'a pas voulu donner son Coran. Donc ils l'ont tué. Parce qu'il n'a pas voulu donner son Coran. Othman lui a dit, apporte ton Coran. Je vais tout brûler les autres Corans. Apporte-le. Hein? Il n'a pas voulu le donner. Donc ils l'ont frappé jusqu'à ce qu'il est mort de ses blessures. D'accord? Hein? Donc, vous voyez? Hein? Vous voyez ce que je suis en train de vous dire là? C'est dans les livres, ce qu'il y a de plus authentique. Hein? Ils mentent. Hein? Je suis en train de chercher le hadith dans Sahih Muslim. Hein? Que j'arrive pas à trouver. Parce que je ne l'ai pas référencé. Je ne sais pas, je ne l'ai pas référencé. Je suis désolé. Désolé de perdre du temps, comme ça. Voilà. Il y a tellement de hadiths, tellement de sources que. Il y a des hadiths que j'oublie de référencer parce que c'est seulement dans le live que je pense à en parler. Là, je suis tombé sur le hadith comme quoi, où le prophète il dit dans Sahih Muslim, où le prophète il demande d'écrire un testament. D'accord? Regardez. Il dit, lorsque la douleur du messager d'Allah est devenue intense, il dit, apportez-moi un feuillet pour pouvoir vous écrire un livre hein, qui vous garde de l'égarement après moi. Vous n'allez pas vous diviser. Les gens sont tombés en désaccord. Cependant qu'un litige n'est pas bon en présence du prophète. Hein. En réponse à ces gens-là qui se sont demandé l'un à l'autre, qu'a-t-il? Est-ce qu'il divague? Il divague. Il délire. C'est Omar qui dit ça. Hein? Vous voyez, Bukhari le dit que c'est Omar.
Hein, renseignez-vous auprès de lui, etc. Ils ont fait semblant que le prophète est en train de délirer. Genre de dire quoi, quoi, qu'est-ce qu'il dit? Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu es en train de dire? On n'a pas compris. Répète, répète. C'est un truc de malade. Hein. Ils le prennent pour un malade. Voilà. Bref. Ici, regardez. Regardez. Obey. Ça, c'est Obey ibn Ka'b, le rabbin que je vous ai dit. Ajoute, nous pensions que ces mots étaient du Coran, jusqu'au jour où ce verset fut révélé. Le désir d'augmenter vos richesses vous préoccupe. Ils sont même pas sûrs. Al-hakumut takasuru hatta zumtumul maqabir. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Hein? N'importe quoi. Wallah. Hein? Et Bukhari a mis ça dans le livre des propos édifiants. Même Bukhari était choqué. Regardez, il a mis ça dans le livre des propos édifiants. Vous voyez? Le livre des propos édifiants. C'est incroyable. C'est un truc incroyable. Hein? Ici. Non, ça, je l'ai lu. Ça, est-ce que je l'ai lu, ça? Ici, regardez. Dans Sahih al-Bukhari. Ici, dans Sahih al-Bukhari. Qu'est-ce qu'on a? On a ça. Après, je vais ouvrir le live. On a ça. Je ne vais pas faire trop longtemps. 17h45, ou après, je vais ouvrir le live, Inch'Allah. Alors. Voilà. Ici, Omar, il dit... Hein, ici, Omar ibn Khattab, je le laisse pour la vidéo. Je le mets dans YouTube. Omar ibn Khattab, ici. Donc il dit, qu'est-ce qu'il dit? Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Omar, il dit, Omar s'assit sur la chaire de la mosquée. Puis, quand les mouaddines qui font l'appel à la prière se turent, il se leva, loua Allah autant qu'il en est digne et ajouta, je vais vous dire une chose que le destin m'oblige à dire. Je ne voulais pas le dire. Hein. C'était un secret. Parce qu'il y a eu un coup d'État. Et je ne voulais pas en parler. Mais là, il y a quelqu'un qui est en train de dire qui va désigner Ali. D'accord? Hein? Il y a quelqu'un qui va dire... Regardez. Le début du hadith, il est long le hadith. Hein. Il dit quoi? Il dit... J'enseignais le Coran à quelques hommes des Mouhajils, parmi lesquels se trouvait Abdurrahman ibn Auf. Comme j'étais à Mina durant le pèlerinage, hein, dans la demeure de ce dernier qui était en ce moment auprès de Omar ibn Khattab, lors du dernier pèlerinage que fit celui-ci, lors du dernier pèlerinage de Omar avant sa mort, hein, à la Mecque, Abdurrahman revint me trouver et il me dit « Ah, si vous aviez vu aujourd'hui cet homme !» Et Bukhari a caché le nom. En fait, cet homme, c'est Ammar ibn Yasir. Comment je le sais? Ben, dans les autres livres, c'est rapporté. C'est dit que c'est Ammar. Et Bukhari, il l'a caché, ça. Il l'a caché. Comprenez? En recoupant tout, il suffit. C'est un travail énorme. Voilà. Ils ont tellement falsifié la religion que celui qui veut trouver la vérité, il doit lire pendant des heures. Que dis-je? Des années. Hein? Alors, Bukhari, il cache le nom. Il dit, cet homme qui est venu trouver l'émir des croyants et qui lui a dit, ô émir des croyants, que pensez-vous faire contre un tel? Vous voyez, il supprime les noms des compagnons. Comme ça, on ne sait pas c'est qui. Hein? Contre un tel qui a dit, si Omar meurt, c'est un tel à qui je prêterai allégeance. En fait, là, c'est Ammar ibn Yasir. Il a dit à quelqu'un, si Omar il meurt, je vais désigner Ali. Je vais donner mon allégeance, je vais la donner à Ali. Et Omar, il veut pas ça. Il veut pas. Hein? Donc Abdurrahman ibn Auf, il est parti voir Omar, il lui dit, Omar, prince des croyants, il y a un complot. Il y a un tel, Ammar ibn Yasir, il est en train de dire que si tu meurs, il va désigner Ali. Et j'ai peur que s'il désigne Ali, les gens, ils vont savoir qu'il y a eu un coup d'État. D'accord? Regardez, je vais vous lire l'histoire. Ô émir des croyants, que pensez-vous d'un tel qui a dit, si Omar mourait, c'est un tel à qui je prêterai un serment de fidélité. Par Allah, l'élévation de... Omar, il dit, par Allah, l'élévation au califat d'Abou Bakr ne fut qu'une chose qui fuyait. Hein? Felta. Felta, ça veut dire, c'est un coup de peau. On a tenté notre chance et ça a marché. On a fait un coup d'État.
On a désigné Abou Bakr et ça a marché. Hein? Fais le temps. C'est un coup de peau, un coup de poker. D'accord? Et Omar, il le reconnaît. Il le reconnaît. D'accord? Mais qui s'est accompli. Omar, il dit, c'est un coup de poker. L'élévation d'Abou Bakr au califat, c'est un coup de poker, mais il s'est accompli. On a quand même réussi. D'accord? Omar entra alors en colère et il s'écria, si Allah veut, dès ce soir, c'est-à-dire à la Mecque, devant tous les pèlerins, je vais faire un discours. J'aviserai les fidèles et je les mettrai en garde contre ces gens qui veulent leur ravir le soin de s'occuper de leurs affaires. Contre ces gens qui veulent leur reprendre le califat. Ils veulent donner le califat à Ali. Et nous, on ne veut pas d'Ali. Nous, on veut pas. On s'est déjà tapé Mohammed pendant 23 ans. On ne veut pas d'Ali. D'accord ? Abdelrahman ajouta, j'ai dit alors, ô émir de croyants, n'agis pas ainsi. Ne fais pas ça ici. Ne fais surtout pas ça à la Mecque. Regardez pourquoi. La cérémonie du pèlerinage rassemble ici des gens de tout âge et de tout acabit, c'est-à-dire de tout pays. Il y a des gens de tout pays. Et il y a des gens qui ne sont pas des compagnons, hein, des gens d'Égypte, hein, des gens de Syrie, des gens d'Irak. C'est pas des compagnons. On leur a raconté une version de l'histoire comme quoi le prophète a laissé ses compagnons et le prophète il a désigné Abou Bakr. Hein, et si on commence à parler de ça maintenant, ils vont se dire, ben, alors ce que vous nous avez raconté, c'est pas ça. Vous nous avez menti. Donc Abdelrahman qui était très futé, qui était très rusé, il dit à Omar, ne fais pas ça. Ne parle pas du rôle pèlerinage. Attends qu'on revient à Médine, on sera entre nous. Et là, tu pourras parler. Pour pas éveiller les soupçons des nouveaux convertis. D'accord ? J'ai dit alors, ô émir des croyants, n'agis pas ainsi. La cérémonie du pèlerinage rassemble ici des gens de tout âge et de tout acabit. Et c'est eux qui l'emporteront sur ton entourage. Ça veut dire les gens d'Égypte, les gens d'Irak et les gens de Syrie. Si t'en parles ici, c'est eux qui vont gagner. Parce qu'ils sont plus nombreux que nous, les Médinois. Ils sont plus nombreux que nous, les compagnons. Hein ? Ils vont nous reprendre le califat, ils vont le donner à la famille du prophète. D'accord ? Quand tu t'adresseras aux fidèles, ainsi je crains que dans ton discours, il ne t'échappe quelques expressions. J'ai peur que quand tu parles, tu vas dire des choses. Des choses qu'il ne faut pas dire. Des secrets. D'accord ? Hein ? Qui fera voler tout homme qui voudra la faire voler pour en tirer parti contre toi. Hein, ou qu'on ne comprendra pas, ou encore dont on ignore la portée. Attends donc que tu sois de retour à Médine. Attends de revenir à Médine, on sera entre nous. Et là, tu pourras mettre les bâtons sur les i hein, aux compagnons qui veulent désigner quelqu'un d'autre, au califat. D'accord ? Hein ? Qui est la ville de l'immigration et de la sunna. La sunna des compagnons. La ville de la sunna des compagnons. Là, tu te concerteras avec les hommes de loi et les notables des fidèles. Et alors, tu seras sûr de ce que tu diras. Et les gens de science comprendront tes paroles et en indiqueront la portée. Eh bien, par Allah, si Allah veut, répondit Omar, c'est ainsi que je ferai lorsque je me lèverai pour parler la prochaine fois à Médine. Il dit... Nous revînmes à Médine, ajoute Ibn Abbas, à la fin du mois de Dhul-Qa'dah. Le vendredi suivant, dès que le soleil fut dans son déclin, hein, je me hâtai pour partir à la mosquée. Et je trouvai Saïd ibn Zayd et Amr ibn Nawfal assis près du pilier de la chaire de la mosquée. Je m'assis à côté de lui, mon genou touchant le sien. À peine fus-je installé que Omar ibn Khattab arriva pour faire la prière. Dès que je le vis s'avancer, je dis à Saïd ibn Zayd et à Amr ibn Nawfal, cet après-midi, Omar va faire sûrement un discours tel qu'il n'en a jamais fait. Omar, il va parler d'une chose dont il n'a jamais parlé depuis la mort du prophète. Regardez. Qu'il n'en a jamais fait depuis qu'il est calife. Hein? Saïd, qui ne voulait pas me croire, me dit... Que pourrait-il donc dire qu'il n'a jamais dit auparavant ? Omar s'assit sur la chaire, puis quand le Mouaddin l'appel à la prière se turent, il se leva, loua Allah autant qu'il en est digne et il ajouta « Je vais vous dire une chose que le destin m'oblige à dire. Je suis vieux, je vais bientôt mourir, j'ai peur qu'à ma mort, vous allez changer. Hein ? Vous allez suivre la famille du prophète et vous allez détester et vous allez délaisser les compagnons. D'accord ? Hein ? Peut-être ma mort est-elle prochaine. Il pense qu'il va mourir. Hein? Hein? Je l'ignore.
Celui qui comprendra mes paroles et les retiendra devra les répéter partout où sa chamelle le mènera. Quant à ceux qui craignent de ne pas les comprendre, ils ne seraient pas plus qu'aucun autre en droit de dire un mensonge sur mon compte. Allah a envoyé Mohammed avec la vérité. Allah a envoyé Mohammed avec le Coran et la sagesse qu'on a cachée. Il a envoyé Mohammed avec le Coran et la sagesse, le hikmah, qu'on a caché aux gens. Hein? Et on leur a donné nos hadiths falsifiés à la place. D'accord ? Bon. Hein? Et il lui a révélé le livre. Hein? Et dans ce livre qu'il lui a révélé, il y a un verset relatif à la lapidation. Nous avons lu ce verset. Nous l'avons compris et nous l'avons retenu. Hein? Et c'est pour cela que l'envoyé d'Allah a fait lapider. Et que nous avons lapidé après lui. Hein? Nous avons aussi fait lapider. Je crains que dans la suite des temps, quelqu'un ne vienne dire par Allah, nous ne trouvons pas de verset relatif à la lapidation dans le livre d'Allah. On n'a pas de verset de la lapidation. Omar, il dit qu'il y avait un verset de la lapidation dans le Coran et il n'y en a pas. Il l'a oublié. Wallah, il l'a oublié. Wallah, al-Adim, il l'a oublié. Hein? Il l'a oublié. Alors, quand on parle de ça aux savants, hein, après, je vais vous lire la suite. Quand on parle de ça aux savants, ils disent non, les savants. Ils disent non, toi, t'as pas étudié, t'as pas compris. C'est le verset abrogé. C'est le verset abrogé qui a été effacé dans la loi et resté en application. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire le verset là, il n'est plus dans le Coran. Il n'est pas dans le Coran. Dieu il l'a abrogé, il l'a effacé. Mais sa loi, elle est encore en application. Sa loi, elle est encore en application. C'est comme si demain, vous allez au tribunal pour un jugement. Il y a la partie civile et la partie adverse. Et puis le juge, à la fin des débats, à la fin de l'audience, il donne sa sentence. Hein, et puis la sentence que le juge y donne, elle n'est pas dans le code pénal. Elle n'est pas dans le code pénal. Hein. Et les gens, ils disent, mais comment ça se fait ? La sentence là, la loi que vous êtes en train de donner, elle n'est pas dans le code pénal. Et le juge, il dit, si, elle y était. Elle a été abrogée, mais elle est toujours en pratique. Ça n'existe pas, ça. Un verset abrogé, toujours en vigueur, ça n'existe pas. C'est un mensonge. D'ailleurs, même Omar, il dit que le verset n'a pas été abrogé. D'accord ? Il dit, on le connaissait par cœur. Et on le pratiquait. Hein, on lapidait. Il a dit le prophète, on connaissait le verset de la lapidation par cœur. Et le prophète, il a lapidé. Et nous avons lapidé. Mais le verset n'est pas dans le Coran. Parce qu'on l'a oublié. Regardez. Il dit, par Allah, j'ai peur qu'après ma mort, il y a des gens, ils disent, on va plus lapider. Parce qu'on ne trouve pas le verset dans le Coran. D'accord ? On tomberait alors dans cette erreur d'abandonner une prescription révélée par Allah. La lapidation dans le livre d'Allah est de droit contre quiconque, homme ou femme. Hein, commet l'adultère alors qu'il est marié, quand la preuve est faite par le témoignage, par la grossesse ou l'aveu. D'accord ? Hein, ça veut dire que Omar il dit que le verset de la lapidation, il est encore en pratique, mais il n'est pas dans le Coran. On l'a oublié. C'est seulement après que je me suis rappelé qu'on l'a oublié. C'est dingue, hein ? Dans le Bukhari. C'est dingue, hein ? C'est dingue ce que je suis en train de vous dire là. Hein, c'est dingue, hein ? Regardez. Et il dit, entre alors le verset de la lapidation, c'est quoi ? C'est Washir, Washira, Ida Zanaya, Farjumuhum al-Betta, Nakalan min Allah, Wallahu Azizun Hakim. Ce verset-là, il n'est pas dans le Coran. Comment ça se fait qu'un abad, il connaît ? Ben, je l'ai vu dans les autres livres. Washir, Washira, Ida Zanaya al-Betta, Farjumuhum. والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. Il n'est pas dans le Coran. Il l'a oublié. Il l'a oublié. Hein? Et après, ils nous disent le Coran, il n'est pas falsifié. Hein? Et il n'y a pas que ça. Attendez, regardez. Et Omar, il dit, entre autres choses, nous lisions autrefois dans le livre d'Allah ceci. Ne vous détachez pas de vos vrais pères et mères. Hein, pour chercher une plus glorieuse parenté. Car c'est une mécréance pour vous de vous détacher de vos pères. Et le verset, il n'est pas dans le Coran. Il l'a oublié celui-là aussi. Ou,
C'est un acte de mécréance que de rechercher autre nom que celui de son père. Puis l'envoyé d'Allah a dit, ne m'exaltez pas comme on l'a fait pour Jésus, etc. C'est dingue, hein. Romain est en train de dire que quand ils ont rassemblé le Coran de leur côté, les compagnons, pas celui d'Ali, ils ont oublié des versets. Romain est en train de dire ça. Et lui, il disait qu'il les connaissait par cœur. Hein? Et après, il dit quoi, Omar? Il dit, j'ai appris que quelqu'un de vous a dit par Allah, si Omar meurt, je prêterai serment de fidélité à un tel. Et Bukhari a supprimé le nom. Il a mis un tel, à Ali. D'accord? Qu'aucun homme ne se trompe au point de dire la nomination de Abu Bakr au califat n'a été qu'une chose qui fuyait, hein, mais qui s'est accomplie. Un coup de poker. Et à supposer que tel était le cas. Allah vous a préservé des conséquences fâcheuses du califat d'Abu Bakr. Omar, il dit que Allah a protégé la communauté des conséquences fâcheuses du califat d'Abu Bakr. Fâcheuses. Il n'y a pas dit bénéfique. Fâcheuses. C'est dingue, hein. Regardez. Hein. Il n'est pas un seul d'entre vous dans la gloire égale celle d'Abu Bakr. Et là, il est en train de le vanter. Prêter serment de fidélité à quelqu'un sans avoir consulté les musulmans. En fait, Omar il a dit, quand on doit élire le calife, on doit consulter les musulmans. C'est pas Dieu qui doit élire le calife. C'est les musulmans, ils doivent se concerter, hein, et ils doivent élire un calife. Exactement comme les fils d'Israël, lorsqu'ils ont dit à leur prophète, désigne-nous un roi pour aller combattre dans le sentier d'Allah. Et lorsque leur prophète leur dit, Dieu vous a désigné un tel, Talut, vous a désigné lui. Ils ont dit non, nous on veut quelqu'un d'entre nous. On veut le choisir nous-mêmes. Et ça a toujours été comme ça. Les hommes, ils n'ont jamais voulu que c'est Allah qui leur désigne leur gouverneur et leur chef et leur prophète. Ils ont toujours voulu que ce soit eux-mêmes qui désignent. Ce qu'ils appellent la démocratie. Alors que dans la religion chrétienne, juive et musulmane, c'est la théocratie. La théocratie. C'est théos, ça veut dire Dieu, crassi, choisi. C'est Dieu qui choisit nos dirigeants dans la religion. Dans les trois grandes religions monothéistes, c'est ça. C'est Dieu qui choisit la religion. Hein. Et Omar est en train de faire le contraire. Il est en train de dire, ne désignez jamais quelqu'un si tous les musulmans ne l'ont pas choisi. Hein. Sans avoir consulté les musulmans, ni l'élu, même s'il est élu par Dieu. Hein, est une chose que ne devront faire ni l'élu ni les lecteurs, hein, car cela les exposerait tous deux à être tués. Hein, si jamais il y en a un qui est désigné par Allah et n'est pas désigné par le peuple, on doit le tuer. C'est triste. Voilà. Le hadith, il est très grand. Voilà. Hein? J'ai pas envie de tout lire. Mais vous avez le tableau de ce qui s'est passé. Voilà. Voilà pourquoi vous n'avez pas la sagesse. J'ai pas lu les livres shit. Hein? Parce que c'est la même chose. Alors, ce qui s'est passé là pour conclure, avant d'ouvrir le live, ce qui s'est passé, c'est que regardez, hein, vous allez comprendre. Regardez ce qui s'est passé. Allah. Il a révélé au prophète le Coran. D'accord ? Oh zut, j'ai horreur de ça. Le Coran. D'accord ? Bah, ce Coran-là, le prophète a dit à l'imam d'Ali de le compiler. D'accord ? Lui et la sagesse. Le Coran. Et la sagesse, les deux. D'accord ? De le compiler. D'accord ? Bon. À la mort du prophète, l'imam Ali est resté 6 mois à compiler le Coran. Et il l'a ramené à Abu Bakr et Omar. Et Omar. Les deux premiers califes, usurpateurs. Ils ont dit, nous on n'en veut pas. Nous on n'en veut pas. On ne veut pas de ton Coran. Reprends-le. Ils ont appelé un jeune homme qui s'appelle Zayd. Ibn Thabit, ils l'ont appelé, ils lui ont dit, recopie-nous le Coran. Et enlève ça. Enlève certains trucs. Parce que le Coran est en train de balancer les hypocrites.
Enlève les noms des hypocrites, enlève les noms de la famille du prophète, et enlève les hypocrites. Tu leur fais un Coran light. Un Coran light. D'accord? C'est ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas voulu du Coran d'Ali. Et ils ont fait le Coran qu'on a là, ici, light. Hein? Au point que chaque personne qui le lit, elle peut l'interpréter comme elle veut. Chaque personne qui lit le Coran, elle peut l'interpréter comme elle veut. Comme elle veut. Parce qu'il n'y a plus les noms. Il n'y a plus les noms des personnes. Il n'y a plus les lieux. Il n'y a plus les noms des hypocrites. Il n'y a plus les noms des descendants du prophète. Il n'y a plus rien. Donc chacun l'interprète. Et on se retrouve avec 300 exégèses. Sans compter tous les exégèses des pseudo-coranistes, là. Leur exégèse. Qu'ils n'ont pas encore. Bientôt, vous verrez, les coranistes, ils vont faire une explication du Coran. Hein, vous allez voir, ils vont l'éditer. Vous allez voir. Retenez bien ça. Hein, voilà. Voilà comment on est. Voilà. 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 Donc, hein, avant d'ouvrir le live, hein, le Coran que Dieu y a révélé, le Coran que Allah y a révélé, hein, Allah, le Coran qu'il a révélé, il avait trois parties. 1, 2, 3 parties. D'accord? Bon. Dedans, il y avait les versets de la foi. Sur la foi. L'histoire des prophètes. D'accord? Hein? Et la jurisprudence. Ça, c'est celui qu'on a aujourd'hui. C'est celui-là. Ça, c'est le numéro 1. C'est la partie qu'on a. Hein? Le Coran qu'Allah y a révélé, il est 3 fois plus grand que celui-ci. 3 fois plus grand que celui-ci. Bon. Dans la partie numéro 2, il y avait les noms des élus après le prophète. C'est-à-dire ses descendants. Ça a été retiré. D'accord? Bon. Et il y avait le nom des hypocrites. Les ennemis du prophète. D'accord? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait à Omar et Abou Bakr? Ils ont appelé Zayd ibn Thabit. Ils lui ont dit, écris-nous un Coran. Hein? Mais attention, tu nous enlèves ça et tu nous enlèves ça. Comme ça, ceux qui vont le lire, ils ne verront pas que dans le Coran, il y a des ennemis et dans le Coran, il y a des élus. Et que c'est les élus qui doivent avoir le pouvoir. On ne doit plus faire la distinction entre les élus et les ennemis dans le Coran. Et nous, du coup, aujourd'hui, on n'a que ça. C'est pour ça qu'on est divisé en 73 sectes. Voilà. C'est pour ça. Hein? Et le comble de tout. Regardez, c'est quoi le comble? Le comble, c'est ça. C'est que y a le Coran là, il y a ce Coran là qu'on a, hein, diminué, énormément diminué. Hein? Donc on a ce Coran là, écoutez bien le comble. Hein? On a ce Coran-là, et d'un côté, on a les chiites, hein, d'accord? Et de l'autre côté, on a les sunnites, d'accord? Et c'est les sunnites qui ont écrit le Coran, c'est eux qui ont écrit ce Coran-là, hein, d'accord? Les chiites, ils ont peur de dire qu'il y a un autre Coran que Dieu y a repris, qu'on appelle le Coran écrit par Ali, que Dieu y a repris, l'authentique, hein, authentique, ils ont peur de dire ça, parce qu'ils se disent... Si on dit ça, on va être décrédibilisé et on va perdre nos adeptes. On va perdre nos adeptes. Hein? Du coup, si on perd nos adeptes, on va perdre des thunes. Donc, on va dire comme les sunnites. On va dire que le Coran n'a pas été falsifié et on va prendre le Coran de nos ennemis. On va prendre le Coran de nos ennemis. Hein? Comment ça se fait que les chiites, ils disent que les compagnons, ils ont menti en écrivant les hadiths. D'accord? Ils ont menti. En écrivant les hadiths. Par contre, quand les compagnons ils ont écrit le Coran, ils n'ont pas menti. Ils ont été préservés par Dieu. D'un côté, les compagnons, quand ils écrivent la sagesse, les hadiths, la sagesse du Coran, ils mentent. Hein? Et de l'autre côté, quand ils écrivent le Coran, ils n'ont pas menti. C'est comme si Dieu il leur a tenu la main, ou il y a un ange qui leur a tenu la main, et il leur a dit, lorsque vous écrivez le Coran, dites la vérité. Hein? Il y a un diable qui leur a tenu l'autre main, il leur a dit, lorsque vous écrivez la sagesse, l'explication du Coran, trichez. Hein? Comment ça se fait que les chiites, ils prennent le Coran de leurs ennemis, les sunnites? Quand vous demandez aux chiites, vous leur dites, le Coran qu'on a,
Le Coran qu'on a, il est authentique ou il est diminué, ou il est falsifié? Ils disent non, c'est le vrai Coran. C'est le même Coran que l'ange Gabriel y a rapporté au prophète Mohammed. Oui, mais il a été écrit par Othman, que vous détestez. Ce Coran-là, il a été écrit par le compagnon, le troisième calife, Othman, que vous détestez. Ça veut dire que vous êtes en train de dire que Othman, c'est un homme bien. Comment ça se fait que vous rejetez ces hadiths à Othman et vous prenez son Coran? C'est ça la question. Hein? C'est ça la question. Hein? On ne nous donne pas le droit d'être intelligent. On ne nous donne pas le droit d'être intelligent. Dès qu'une personne, elle essaie de comprendre, hein, on la taxe, on la menace, comme moi j'ai été menacé. Hein? Mais moi, leur menace, ils rentrent par une oreille et ils sortent par l'autre. J'en ai rien à foutre, moi. C'est pas ça qui va m'empêcher de faire des vidéos. Hein. Non. Les gens, ils n'aiment pas la vérité. Wallah! Ils n'aiment pas. Pourtant, Tabrizi, un grand savant chiite, il a écrit. Hein, il a écrit la vérité concernant la falsification du Coran. Fasl al-Khitab, fi tahrif kitab Rabb al-Arbab. Hein, le juste milieu concernant la falsification du livre du Seigneur des mondes. Rabb al-Arbab, lui, là. C'est un grand savant chiite. Hein? Il ramène des hadiths de l'Koléini, il ramène des hadiths de Bihar l'Anwar, c'est pas son avis. Il prend tout le corpus de hadiths chiites, hein, et il dit que le Coran il est falsifié selon les hadiths qui lui sont parvenus. Hein? Et regardez, et c'est le seul, quand vous allez dans Wikipédia, dans sa biographie Wikipédia, vous allez voir, c'est Muhabbit al-Nouri. Il l'appelle le Mouhaddith de la lumière. Et ils écrivent, était un shit de merde. Regardez, un shit de merde. Dans Wikipédia, de merde. Hein? Regardez la brutalité des musulmans. La brutalité, la violence. Hein? Un shit de merde. Dans Wikipédia. Hein? Parce qu'il dit la vérité. C'est dans les hadiths sunnites et dans les hadiths chiites. Il ment pas. Hein? Il ment pas. Hein? Un grand savant. Un grand savant. Hein? Et il y a aussi lui. Hein? Il y a aussi lui. Hein? Kitab al-Masahif, le fils d'Ibn Abi Daoud. Dans Kitab al-Masahif, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Hein? Le livre des Corans. Il dit qu'il y avait plusieurs versions. Et que Uthman, il en a brûlé beaucoup. Hein? Et le livre de et le Coran de Ali, l'authentique Coran que le prophète y a compilé avec l'imam Ali, il a été repris au ciel. On ne l'a pas. C'est l'imam al-Mahdi qui va le ramener à la fin des temps. Il va nous corriger. Hein? Dans les hadiths chiites, c'est écrit, l'imam al-Mahdi, lorsqu'il va revenir, il va dresser des tentes et il va apprendre le Coran tel qu'il a été révélé aux musulmans. Et il dit, ça sera dur pour les savants, pour eux. Ça va être dur pour eux. Voilà. Je vais ouvrir le live, inchallah. Et je vais mettre les commentaires. Je vais arrêter là parce qu'il y a trop de choses. Hein. Regardez. J'ai pas tout fait. Hein. Regardez. Je peux pas tout faire. Il y a trop de choses. Bon là, j'ai essayé d'être un petit peu clair et concis. Mais c'est pas évident. Il y a tellement de choses, tellement. Hein. Parce que là, c'est pas un seul truc. Il y a plein, plein, plein de choses à dire. Alors, c'est où c'est où? Hop, attendez. Hein. Voilà. C'est fait. Ouais, j'arrive plus à parler. Là, je suis Ramadan. J'arrive même pas à parler. Bon. Alors, maintenant, si quelqu'un il veut monter, il n'y a pas de problème. Hein. Allez. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Ben parce qu'ils étaient complices, Kitou. Pas tous, ça. Il y a des compagnons qui étaient Non, bien. pas tous, mais en général. Parce qu'ils étaient complices. C'est dur, mais c'est la réalité. Tout est dans les livres.
Sunnites et chiites. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Attends, les questions, je ne vois pas les questions, ça va trop vite. Ouais, il y en a beaucoup. Hein. Ouais, il y en a, il dit, bon, mais ça, c'est des questions. Oui, la date du ramadan, elle est correcte. Elle est correcte, la date du ramadan. N'écoutez surtout pas les coranistes. Wallah, la date du ramadan, elle est correcte. Votre jeûne, il est bon. Il est accepté, Inch'Allah. Attends. Comment tu oses parler des compagnons alors qu'ils ont été promis au paradis? C'est un mensonge. Ouais, bah ouais. Regarde, je vais vous le il prouver. Il peut monter, ça. Hein. Attends, il peut attends, monter, attends, hein. Attends, je vais vous le prouver, ça. Attends, attends. Il y a beaucoup de followers. Arrête 2 minutes. Attends, je vais répondre aux frères. Comment vous parlez des compagnons alors qu'ils ont été promus au paradis avant de mourir? Regardez. Hein. Je vais vous le montrer maintenant. Que le gars, il lit pas les livres. Regarde, ici. Ici. Le livre des propos édifiants dans le Bukhari. Vous voyez? Dans le Bukhari. Donc c'est ce qu'il y a de plus authentique chez eux. C'est le gars là qui dit les compagnons. C'est le livre le plus authentique après le Coran. Regardez ce qu'il dit. Authentique. Bon. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit 6582. D'accord? Rapporte que le prophète a dit « Des hommes d'entre mes compagnons viendront vers moi au bassin. » À la fin des temps, il y a un bassin qu'on appelle la fontaine de Jouvence, qu'on appelle le Kauthar, d'accord? Ce bassin-là, son eau, elle est aussi blanche que le lait et aussi sucrée que le miel. Et tout autour de ce bassin-là, il y aura des coupes, des tasses en cristal, aussi nombreuses que les étoiles. Et toute personne qui doit rentrer au paradis doit boire de ce bassin. Et le prophète Mohammed, il dit, je vous donne rendez-vous au bassin. Lorsque vous serez ressuscité, dirigez-vous tout de suite vers le bassin. Je vais vous abreuver avant de rentrer au paradis. La personne qui boira de cette eau, de ce bassin, elle deviendra pure. Hein. Son corps, il vieillira pas. Et elle aura l'âge de 33 ans éternellement. Et le prophète, il dit, des hommes d'entre mes compagnons viendront vers moi, vers le bassin, pour s'abreuver. Hein. Mais à peine les aurai-je reconnus qu'on les éloignera de moi. Ce sont mes compagnons, m'écrierai-je. On me répondra, tu ne sais donc pas ce qu'ils ont fait après ton départ. Tu sais pas ce qu'ils ont fait après ta mort. Ils ont falsifié la religion. D'accord? Et ici, il dit, je vous devancerai au bassin. Le prophète, il dit, je vous devancerai au bassin. Quiconque passera près de moi et y boira, et quiconque y boira ne sera plus jamais altéré. Il arrivera des gens que je reconnaîtrai, des compagnons que je reconnaîtrai, et qui me reconnaîtront parce qu'ils m'ont vu. Ils ont vécu avec moi. Hein. Mais ensuite, on nous séparera les uns des autres. Hein. Je dirais, ce sont des miens, ce sont mes compagnons. On me répondra, tu ne sais donc pas ce qu'ils ont fait après ton départ. Je dirais, arrière, arrière, ceux qui ont changé après moi. Arrière à ceux qui ont changé après moi, à ceux qui ont falsifié la religion. D'accord? Regardez, et c'est tout plein là, c'est tout plein. Hein? Seigneur, dirais-je, ce sont mes compagnons. On me répondra, tu ne sais donc pas ce qu'ils ont fait après ton départ, après ta mort. Tu sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont divisé la communauté en 73 sectes. D'accord? Et il dit ici, regardez, il dit, au jour de la résurrection, le prophète, l'envoyé d'Allah dit, au jour de la résurrection, il viendra vers moi un groupe de mes compagnons qu'on éloignera du bassin. Seigneur, dirais-je, ce sont mes compagnons. Ne sais-tu donc pas, me répondra-t-on, ce qu'ils ont fait après ton départ? Ils sont retournés en arrière, en marchant, en reculant. Ils sont revenus à la mécréance après ton départ. Un abad. Non, juste vite fait. Il y a des gens qui disent « Ah, 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 ton interprétation que tu fais. » Je me demande si ces gens-là, ils comprennent le français ou l'arabe. Il faut les bloquer. Non, bah justement, parce que voilà. tout ce qu'il dit, c'est pas lui qui interprète. Il est en train de lire vos hadiths. Il lit les hadiths qui sont dans les livres. Bukhari, Muslim, pour ceux que les gens y connaissent en général, après d'autres livres qui sont pas traduits, Abi Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ahmed ibn Hanbal, etc. C'est vos livres, c'est les livres qui sont suivis par 85% de musulmans. Lisez, et tout ce qui est dit, bah, vous le verrez dedans. Au lieu de contredire comme ça, lisez.
C'est ça, tu vois, et c'est à cause de ça, parce que regardez, vous avez noté ce qu'il a dit, la personne. Elle a dit, il interprète la sagesse. Il est en train de donner sa sagesse à lui. Vous voyez? C'est ça. Tant qu'on n'aura pas la sagesse, on réussira pas. La vraie, celle du prophète. Hein? Vous voyez? Hein? Et c'est comme ça qu'ils parlent. À chaque fois que vous leur ramenez des preuves, ils vont dire, ouais, mais ça, c'est lui qui interprète. Regardez. Ça, c'est lui qui interprète. Et le gars, il n'a jamais lu, hein. Il n'a jamais rien lu, Mskine. Hein. Bloquez-les-moi tout de suite, hein, ces gens-là. J'en veux pas dans mon live. Les rigolos, là. Bah, après, il y a quoi? Il y en a un, attends. Attends. Non, il peut pas monter. Bah, c'est tout le temps les mêmes qui parlent qui peuvent pas monter. Il y en a un, il dit, moi aussi, je peux dire n'importe quoi. J'allais lui dire, ah bah monte. Mais il n'y a Bah, pas c'est assez de plus. followers. Il a été repris par Dieu. On est puni. On est puni. Hein? Les enfants d'Israël, ils ont désobéi à Après, Moïse. en Attends, les abattant. enfants d'Israël, ils ont désobéi à Moïse. Hein? Ils ont erré dans le désert durant 40 ans. Nous, on a désobéi au prophète. Ça fait 1450 ans qu'on erre dans le désert. On erre sur terre. On n'arrive même pas à s'installer dans nos propres pays. Tous les musulmans, ils fuient leur pays. Tous les musulmans, ils fuient leur pays. Hein? Et il y en a certains, ils nous disent, non, c'est bien comme ça. Ne changez rien du tout. N'écoutez pas Anne Abad. Il est en train de donner son interprétation. Pourquoi ton pays, il est pourri? Il n'y a pas les droits de la femme. Il n'y a pas les droits de l'enfant. Hein? Il n'y a pas de. Anabad. Oui. Bonjour. Ouais. Bonjour. Ali aurait laissé. Attends, il est où? Bonjour. Bonjour, vous Bonjour. m'entendez? Ben moi, pourquoi Ali aurait laissé Non, laisse tomber, laisse tomber. Non, laisse tomber. Je ne vais pas répondre à ces questions. On perd du temps. Bonjour Théo, comment tu vas? Bonjour, tu vas bien, ça va? Ouais. Ah, mon ami, t'es toujours remonté. Hein? Ah, je te comprends. Ah, tu sais, nous aussi, du côté du christianisme, c'est normal, hein, c'est, il y a Voilà. tellement de choses qui se font au nom de Dieu, au nom de Voilà. Jésus, qui sont complètement aberrants. Bon. J'écoute, Et en fait, c'est qui pour les coups? les textes que tu viens de lire là, Oui. si j'ai bien compris, donc, Mohamed, il dit que, quand ils seront dans le paradis, les gens qui vont le rencontrer là-bas, il va les reconnaître dans le paradis et il va dire, ce sont mes compagnons, mais on va les repousser, quoi, on va les rejeter. Oui, parce Alors, qu'ils ont pourquoi? Parce que. falsifié, parce qu'ils ont falsifié le Coran. D'accord. Mais est-ce que tu vois, regarde bien, ce n'est pas une accusation, mais ce que je Non. trouve drôle, c'est comment des gens qui ont falsifié le Coran, ils ont pu rentrer au paradis. C'est Non, ça ils sont que pas je ne comprends pas. rentrés. Ils sont pas rentrés. Normalement, Non, attends, ils devraient attends. aller directement en Non, enfer. non, le verset, Ils sont pas rentrés. non, ils sont pas rentrés au paradis. Avant de rentrer, regarde, je t'explique. Regarde, je vais Mais faire le un dessin. bassin, il est où? Il est où ce bassin? Ce Regarde. bassin de lait là, il est où? Il est à l'entrée du paradis. Ah, pas dedans, à Non, pas l'entrée. dedans. Non, pas dedans. Mais il y a soit, attends, il y a soit le paradis, il y a soit l'enfer. Oui? Non, il n'y a Donc pas seulement le paradis et l'enfer. Il y a beaucoup d'autres choses. Ah, C'est ok, pas. d'accord. Tu peux Théo, me Théo, donner Théo, écoute. la référence du livre là que tu as Ben, là, c'est ça bon. m'intéresse ça. Ça m'intéresse. C'est Bukhari. C'est facile, Ah, tu vas dans n'importe quelle Boukhari? bibliothèque, tu vas le trouver. Voilà. Simple. Boukhari, d'accord, ok. Bukhari. Ah, Ou bien ok, musulman. d'accord. Ok, Ou bien d'accord. musulman. Ou bien musulman. Voilà. Boukhari ou Mouslim? Voilà, mon frère. Il y a un truc d'édition, une édition? L'édition. Peu importe. Prends l'édition Ah, peu universelle. importe. Peu importe, ouais. Peu importe. D'accord. Alors, Boukhari ou Mouslim? D'accord. Ok. Ok. Ah, mon ami, je te comprends que tu sois remonté, hein. Ben oui, mais tu sais, tu sais, moi-même, tu sais, avant j'étais catholique, tu vois. Tant que je connaissais pas l'histoire du catholicisme, je croyais qu'on était chrétien, puisque on nous disait, oui, on est chrétien, patati patata. Mais plus tard, Jésus s'est révélé à moi. Il s'est révélé à moi et il m'a fait comprendre, en fin de compte, que le catholicisme s'était détourné de lui. Ils ont mis la Bible, les vrais textes de côté. Et ils se sont mis à faire des tas de trucs, de la prière à Marie, à baptiser les bébés, à prier les saints qui sont déjà morts, à faire des tas de dogmes de tradition. Ils se sont égarés. Et puis, ils Je se sont mis à faire, ils, ils, attends, ils se sont mis Excuse-moi. à faire des invasions.
invasion, colonisation, esclavage, Oui, j'ai en se compris. disant chrétien. Sous le Et coup, c'est ça a dégoûté les gens, ça a dégoûté les gens. ils ont fait ça sous le coup de l'évangélisation. Voilà, Voilà. voilà, voilà, voilà. Sous Alors, couvert de voilà, l'évangélisation. Ils sont partis, voilà, ils ont dit qu'ils sont partis, voilà. ils ont dit qu'ils sont partis évangéliser des bêtes. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nos amis musulmans, dès l'instant qu'ils entendent chrétiens, mais ils ont le souvenir des invasions catholiques, des croisés, des croisades. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas la différence, tu vois? Voilà. 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 Et Théo, on Oui. est arrivé à une époque, même si on lit les livres les plus authentiques de ces groupes-là, ils vont nous dire non, c'est Ah. toi qui dis ça. Ils vont nous dire non, c'est toi Voilà. qui dis ça. Et nous, on leur dit non, c'est dans les livres, c'est dans tes livres, va lire tes livres. Ils lisent pas leurs livres. Ils vont nous dire non, c'est toi qui dis ça. Mais Ils sont oui, dans le déni. Ils sont dans le parce que déni total. Ils sont dans un déni total. voilà, parce que ceux qui sont pour la guerre, ils sont plus nombreux. Tu vois, ils sont plus nombreux, ils sont en force. Tu comprends? Alors ceux qui sont, Il y a ceux qui quelqu'un sont qui m'a pour la demandé. paix, ceux qui sont pour la paix, eh ben ils sont rejetés. Il y a quelqu'un qui m'a demandé. Il y a quelqu'un qui m'a demandé. Il m'a dit. Il y a quelqu'un qui m'a demandé. Est-ce que l'imam Ali il utilisait. Est-ce que l'imam Ali il utilisait le Coran qui a été écrit par les compagnons? Non. Tous les 12 imams, ils utilisaient le vrai Coran qu'ils connaissaient par cœur. Ouais. Ils utilisaient le vrai Coran qu'ils connaissaient par cœur. Et ce Coran. Le vrai Coran et la vraie évangile de Jésus et la vraie Torah de Moïse, ils ont été occultés. Ils ont été repris par Dieu. Nous n'avons que les exemplaires que les hommes ont écrits. Hein? La vraie évangile, la vraie Torah et le vrai Coran, ils ont été repris par Dieu. Maintenant, si on veut que Dieu nous rende les trois livres authentiques, hein, il faut qu'on reconnaisse. Il faut qu'on reconnaisse la vérité. Hein. Si on reconnaît tous la vérité et on se repente, on va voir des anges descendre avec le vrai Coran, la vraie Bible, la vraie Évangile et la vraie Torah. Ils vont nous les rendre. Hein. Oui, mais Pourquoi quelle vérité, mais quelle vérité, quelle vérité, quelle vérité. la vérité que les Juifs, les chrétiens et les musulmans, c'est les plus grands menteurs du monde? bon, alors, donc les chrétiens, les juifs, et quoi encore? Et Bon, ils les sont musulmans. plus les plus grands. Oui, mais alors, Les plus grands oui, mais. menteurs et les plus grands menteurs et les plus grands falsificateurs du monde. Ok, donc alors, Donc, bon, alors, donc, bah, alors, ce, oui, quand je mais. dis ça, attends, quand je dis ça, je parle du clergé. Oui, je te comprends, Ceux qui t'inquiète sont à pas, je la te tête, comprends. ceux qui sont à la tête. Je parle pas des peuples, parce que les Je te peuples, eux, ils veulent comprends. savoir la vérité. Je te comprends, je te comprends. Bon, mais tu sais, il y a une manière de savoir si un livre est falsifié ou pas. Ben moi je le Tu sais. sais comment? Tu sais Moi je le comment? sais. Tu Moi sais je le comment sais. il est facile de savoir? Oui. Comment, d'après toi? Je vais te montrer un exemple dans la Bible. Regarde, je vais te montrer un exemple dans la Bible. Regarde. Hein. Hein? Regarde. Ouais. Hein. Parce que tu es Oui. chrétien. Tu m'as dit que tu étais Oui, chrétien. oui, Ouais, oui, oui, regarde. Regarde. Hein. Alors. Ici, je prends la Bible. Hein. oui. Je ne vais pas lire dans celle-là parce que ça c'est une Bible d'études. Donc je ne vais pas lire dans celle-là. Oh, c'est pas grave, t'inquiète pas, je connais les textes par la grâce de Dieu. Je connais pas tout, 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 mais une grande partie. Alors. Mais attention, je vais te dire la vérité, mais ne prêche pas pour ta paroisse. Ne t'inquiète pas, j'ai pas de Parce paroisse. que si tu prêches pour ta paroisse, je vais te faire descendre. Je Non, je t'oblige. prêche pas pour. Écoute, je suis Donc. pas. Écoute, je suis pas lié à une paroisse. Je suis lié à mon Seigneur Jésus. Point. Voilà. Jésus, c'est aussi mon Seigneur, moi. Voilà. D'accord? Donc voilà, c'est à lui que je suis relié. Voilà. Alors. Allô? Oui, je suis là, attends. Ah, d'accord. Jean, chapitre 14, verset. Verset Tu parles du 14, consolateur, tu parles du Jean, consolateur là, non? ouais, Jean chapitre 14, Donc, verset tu vois? exactement. Ouais, Oui. Ouais. alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, en mon nom, moi je le Oui, ferai. Bon, voilà. nous aussi on a ça. On appelle ça tawassul.
Tawassul, c'est le fait de demander des choses au nom des prophètes pour qu'Allah il nous exauce. D'accord. Ça D'accord. veut dire qu'on demande indirectement, on dit, oh Allah, pour l'amour que j'ai pour Jésus, fais que telle chose, elle se réalise. Facilite-moi ma tâche. Ça, on a le droit de le faire. Nous aussi, on l'a. Non, lis le texte, lis le texte. Non, Ouais. on va Alors, rester dans l'évangile pour l'instant, ok? On écoute. va rester dans l'évangile. Alors, si vous Vas-y. demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai Voilà, le Père. ok. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous Voilà, éternellement. D'accord? Ça veut dire ok. c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Et D'accord? continue, 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 continue. L'esprit de vérité que le monde ne Ah peut pas oui. recevoir, vous ne pouvez pas l'accepter maintenant. Voilà, ok. Ok. Vous n'êtes pas prêt à l'accepter. D'accord? D'accord, ok. Parce que Continue, 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 je continue, continue. suis en train d'expliquer pour les autres qui sont dans le live. On n'est pas qu'à deux. Tu comprends? Oui, je suis d'accord, mais continue. Non, lis le texte en entier et puis après tu vas le détailler si tu veux. Lis le texte avant, continue. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir aujourd'hui. Parce Ok, ok. qu'il ne le voit pas et ne le Il connaît le connaît pas. pas. Mais vous le D'accord. connaissez parce qu'il demeure en vous. Vous le connaissez parce que je vous ai donné la bonne explication, la sagesse. D'accord? Continue. Non, mais détaille pas, lis le texte. Après, tu vas détailler, mais lis le texte Attends. déjà. Attends, bon, ça c'est déjà un. Je vais te lire le deuxième. Parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Attends, attends, non, attends, on va rester sur le consolateur. Ouais. Il dit bien, quand il parle du consolateur, il dit c'est un esprit. Ouais. Il dit pas que c'est un humain. Non, Un non, esprit, non, c'est c'est un nous. esprit, l'esprit Écoute, de vérité. regarde, écoute. Il dit, Jésus est en train de dire, vous n'êtes pas prêt à le recevoir. Écoute bien. D'accord. Ouais. Bon, il dit, vous n'êtes pas prêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous n'êtes pas encore prêt à comprendre ce que je suis en train de vous dire. Vous allez penser que c'est un Oui, esprit. d'accord. Écoute, Ah, il dit, non, 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 vous non, allez penser Jésus, que c'est un non, esprit. Jésus n'a Mais pas, Jésus n'a pas, dans attends, Jésus n'a le pas, Coran, Jésus écoute, n'a pas dit, vous. on va arrêter là, on va arrêter là, parce que ça sert Vas-y. à rien. Attends, attends, mais pourquoi Écoute. tu te fâches? Non, mais Laisse-moi. Jésus n'a pas dit que vous Écoute. pensez que c'est un esprit. Mais Écoute. lis le texte. Jésus dit, il sera en vous. Jésus, il a dit ça dans le Coran. Il a dit ça ici. Attends, attends, attends. Et D'accord? Jésus, il leur dit, attends, Jésus leur dit, l'esprit sera en vous. Il Il a parle à dit ses ça. apôtres, là. Il a dit ça. Jésus, il parle à ses apôtres. C'est vrai, Il c'est vrai, dit, il c'est dit, vrai, attends, c'est vrai. il dit que l'esprit sera en vous, en vous. Donc ça ne peut Oui. pas être un humain. Un humain ne peut pas rentrer dans un humain. Si, c'est un humain. C'est un humain. C'est un humain. Mais non, C'est. il dit bien, il dit bien, il sera en vous. Jésus, il parle Non, à mais ses disciples, à ses laisse-moi apôtres. parler, laisse-moi parler. Tu vois, toi, tu es Oui. resté à l'époque, toi, tu es resté à l'époque des apôtres. Tu t'es arrêté à la Bible. Donc, Mais Jésus, laisse-moi finir, s'il te plaît. Toi, vas-y, tu t'es vas-y, arrêté à vas-y, la Bible. vas-y. Toi, t'as pas continué jusqu'au Coran. Toi, t'as pas continué jusqu'au Coran. Tu t'es arrêté à la Bible. C'est pour ça, donc, toi, tu t'es arrêté à la même compréhension que les apôtres à leur époque. Et les apôtres à leur époque, Jésus leur dit, vous n'êtes pas prêts de le recevoir. Parce que vous pouvez pas comprendre. Oui, mais tu es resté sur un seul verset. Regarde le reste du verset, ce qu'il dit. Il dit bien, il dit aux apôtres, l'esprit sera en vous. Il sera en vous. Il n'a pas dit, il sera à côté de vous. Il dit, il sera en vous, à l'intérieur de vous. Donc, ça ne peut pas être en humain. Un esprit. Bon, je suis obligé de Un te faire esprit descendre. pour rentrer. Maman, s'il te plaît. Je suis obligé de te faire descendre. Parce que il prêche pour sa paroisse. Voilà. Je le savais. Il n'y a personne qui peut supporter ce que je suis en train de dire. Personne. Ni juif, ni musulman, ni catholique. Personne. Regardez. Regardez ce que je suis en train de dire. Et ce qu'il est en train de falsifier, le gars. Regardez. Hein. Bon. Ici, regardez. Hein. Jean, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il dit, et je vous ai dit ces choses demeurant avec vous, mais le consolateur, l'Esprit Saint, Ruh al-Qudus, le Saint-Esprit. L'Esprit Saint, Allah, il l'a donné à tous les prophètes. J'ai fait un cours sur le Saint-Esprit. J'ai fait un cours sur le Saint-Esprit. D'accord? Bon. Hein, que le Père enverra en mon nom. Mon Père va vous envoyer le Saint-Esprit en mon nom. Le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? C'est la faculté d'interpréter les livres saints, c'est-à-dire la sagesse, l'hikma. Ça veut dire la faculté d'interpréter les livres saints. Et ça, certaines personnes peuvent l'avoir, plus ou moins. Il y a des degrés, de 0 à 100.
Hein? 100%, c'est Mohammed, Jésus, ça c'est 100% du Saint-Esprit. Et après, il y a des degrés. Hein? Nous aussi, on peut avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de discernement. L'esprit de discernement. Le fait de discerner entre le bien et le faux. Et regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Attendez. Alors, il dit, je vous ai dit ces choses demeurant avec vous, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Mohammed, il va vous rappeler toutes les choses que je vous ai dites. D'accord? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, et je ne vous donne pas moi comme le monde donne. Hein? Que votre cœur ne soit pas troublé, ni craintif, n'ayez pas peur. Avez entendu que moi, je vous ai dit, je m'en vais et je viens à vous. Si vous m'aviez aimé, vous seriez réjouis. Là, je vois que vous avez peur. Ça veut dire que vous ne m'avez pas aimé. Il est en train de dire à ses apôtres, vous êtes incrédules. Vous m'avez pas aimé, d'accord? Et maintenant, je vous l'ai dit avant que cela arrive, afin que quand ce sera arrivé, vous croyez. Parce que là, c'est pas encore arrivé. Vous croyez pas là. Il est en train de dire à ses apôtres, là, vous croyez pas, parce que c'est pas encore arrivé. Vous êtes mécréants, d'accord? Et regardez ce qu'il dit. Il dit, je ne parlerai plus beaucoup avec vous. Ça sert à rien que je parle avec vous. Ça ne sert à rien, car le chef du monde vient. Le chef du monde, Mohammed, il va venir. D'accord? Et il n'a rien de moi. Il n'a rien en moi. Hein? Ah, n'allez pas dire que le Saint-Esprit, c'est moi. D'accord? C'est un autre Saint-Esprit. Là, je suis pas en train de parler de moi. N'allez pas dire que c'est moi. Et vous arrêtez à l'évangile. Hein? Continuez votre chemin vers le Coran, vers la vérité. D'accord? Bon, ici, regardez. Ici, Jésus, il dit, toujours Jean, chapitre 16, il dit, toutefois, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que moi, je m'en aille. Hein? C'est meilleur pour vous que je m'en vais. Car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. C'est quelqu'un d'autre. C'est pas Jésus. Hein? Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Vous êtes en train de faire exactement comme les sunnites. Vous, les chrétiens. Hein? Il dit, hein, le consolateur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand celui-là sera venu, il convaincra le monde de péché et de justice et de jugement, hein, de péché, car il ne croit pas en moi. Vous ne croyez pas en moi. Vous allez falsifier. Hein? Dès que Dieu va me reprendre au ciel, vous allez falsifier. D'accord? D'accord? Hein? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant, il dit. Il dit, verset 12 de Jean chapitre 16. Jésus leur dit aux apôtres, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Et le frère là qui est en train de parler avec moi, lui, il s'est arrêté à l'époque des apôtres. C'est pour ça qu'il ne peut pas supporter ce que je dis. Il ne peut pas supporter. Il s'est arrêté à la classe de CP. Et moi, je suis en train de lui parler niveau 3e. Il ne comprendra rien du tout, le frère. S'il veut comprendre ce que je suis en train de dire, s'il veut comprendre ce que c'est que le Saint-Esprit, il faut qu'il continue ses cours jusqu'au Coran. Et là, dans le Coran, il verra, il comprendra exactement ce que Jésus a voulu dire. C'est normal, tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de dire. Tu t'es arrêté il y a 2000 ans. Ton cerveau, il s'est arrêté il y a 2000 ans. Comment tu veux comprendre ce que je suis en train de te dire? Subhanallah. On va voir lui ce qu'il va dire. Alaikum. Alaykoum salam. On t'écoute?
Franchement, j'ai rien à dire en fait. T'as rien à dire? Non, j'ai rien à dire. Bah, salam alaikum. Après, il y en a un, mais à mon avis, il n'a pas dû suivre le live. Il y en a un qui dit le Coran. Nous, on n'a pas dit qu'il n'y avait pas de miracle dans le Coran. T'as pas suivi. Hein, les trucs, comment ça s'appelle, scientifiques et tout. Nous, on n'a pas dit ça. Ça va pas, Yassine, c'est bon, frère. Il y a trop de bruit, on peut pas. D'accord. Oui, pardon. Pardon, je suis au travail. Je suis au travail. À bientôt, Inch'Allah. La prochaine fois, Inch'Allah. Hein, comment tu vas? Ça va? Alhamdulillah, merci à vous. Barakallahu fik pour ce live. Barakallahu fik. Ben dans la sagesse, on peut la retrouver dans les hadiths des descendants du prophète. Si vous prenez le kafi de l'Kulayni, si vous prenez le Burhan fi tafsir le Coran, hein, on les a, hein. J'en ai pas parlé dans le live. La sagesse, on l'a. On a plusieurs livres. On a le kafi de l'Kulayni, on a le Burhan fi tafsir le Coran, on a Man la yahdaruhu al-fakhir. Il y a beaucoup de livres qui viennent des descendants du prophète, où il y a plusieurs hadiths, où les descendants du prophète, ils nous expliquent les versets, qu'ils ont été falsifiés, comment il faut les réciter, etc. On a tout ça. Un jour, je vais faire un live que sur ça, sur la sagesse. D'accord? Et je vais ramener les livres. D'accord? C'est quoi ta question, la classe? Pourquoi avoir dit que Jésus c'est un prophète? Ben parce que c'est un prophète. C'est ça sa question? Bah, je pense, j'ai été plus haut, j'ai été regardé, c'est marqué ça, ouais. Wow. Bien sûr, c'est un prophète. Après, il y en a, il dit que bon, nous on dit que le Coran il est falsifié, il manque des trucs, ça veut pas Non, dire c'est pas que. nous qu'on dit ça. Et... Non, c'est pas nous qu'on dit ça. C'est pas Ouais, nous qu'on non, dit le Ahlul ça. Bayt, Attends, les... non, 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 non. Ne tombe pas dans leur piège. Ne tombe surtout pas dans leur piège. Ne reprends pas leurs mots. Ne reprends pas leurs mots. C'est Bukhari qui dit ça, Omar ibn Khattab, il dit que le Ouais, Coran n'est pas complet. les D'accord? compagnons, Et il est descendant du prophète. C'est pas nous qu'on dit ça. Nous, on lit des livres. Nous, on Oui, lit c'est des dans les livres. livres, oui, C'est pas nous tout qui est dans les disons. livres. D'accord? Voilà. OK? Attention de ne pas tomber dans leur piège. Nous, on dit rien du tout. Nous, on est de la merde. D'accord? Nous, on fait que lire, c'est tout. Nous, on ne dit rien du tout. On est en train de faire le travail à votre place. Toutes les conneries que vous n'avez pas lues, on est en train de les lire à votre Ah, place. parce que tu lui as dit, parce que t'as dit, quand Théo y est rentré, t'as dit Jésus c'est mon, il a dit Jésus c'est mon Seigneur. Tu lui as dit toi aussi c'est mon, moi aussi c'est mon Seigneur. Oui, Jésus, c'est mon Seigneur. Oui. Oui. Alors du coup il demande, Seigneur, tu dis que, Seigneur, ça veut dire Saïd. ouais. Alors il Voilà. demande pourquoi tu dis que c'est un Normal. prophète. C'est normal. Si je parle en arabe, à la place de dire Seigneur, j'aurais dit Seyyid. Il aurait compris. Ouais, Mais lui, il Saïd, comprend pas ouais. l'arabe. Je suis obligé de traduire en français. Et traducteur menteur. Voilà. Lui, il comprend Seigneur comme divinité. Moi, je comprends Seigneur comme maître. Maître Saïd. Non, on n'a pas dit que tu jugeais, classe. C'est juste une question, ouais. Personne n'a dit que tu jugeais. Hein. T'as vu? Ils sont toujours en train de ramener des choses qu'on n'a pas dit. Qu'on n'a pas dites. Ouais, on n'a pas jugé, classe. Je ne sais pas ce que ça veut dire, hâteur. Ça veut dire quoi, hâteur? Bah parce qu'ils n'ont pas lu Hassan. Il faut lire. C'est parce que les gens ils lisent pas. C'est normal qu'ils disent pas, qu'ils comprennent pas. Comment tu veux comprendre une chose si tu lis pas? Il lisent pas, Wallah.
Ben oui. Non, parce qu'il dit comment des millions de personnes n'ont pas compris depuis des années comme nos parents. Ben parce que Mais ils ils ont lisent pas pas, lu. Ils ont pas lu. nos parents ils sont illettrés, ils lisent pas nos Oui, parents. ils ont pas lu. Il faut lire. On a, en Quand plus, tu regarde, lis, est-ce que tu as pourquoi lu ça? aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui reviennent à la vérité? Parce que les gens ils commencent à lire. Est-ce que tu as T'as lu ça? certaines. Est-ce qu'il a lu Tafsir Ibn Kathir? Est-ce qu'il a lu ça? Ben Ça, sûrement il l'a lu? pas. Hein? Est-ce que tu as lu le Sahih Muslim? Tu l'as lu ça? Bon, est-ce qu'il y a le Milal wa Nihal? Est-ce qu'il a lu la Bible? Est-ce qu'il a lu la Bible? Il a lu? Est-ce qu'il a lu le Bukhari? Est-ce qu'il a lu tout ça? Est-ce qu'il a lu Ouais, les bah livres? Est-ce après, que tu as si lu? tu lis et tu comprends pas, bah c'est autre chose, ça. T'as pas lu, c'est clair. C'est clair que t'as pas lu. Hein? Wallah, il est très clair que t'as pas lu. Gars, c'est Ramadan. Tu peux faire une bonne action. Tu peux dire, Ya Allah, c'est Ramadan. Wallah, je n'ai pas lu. Et je le reconnais. Oh Allah, fais que je lise l'année prochaine. Tu verras. L'année prochaine, tu vas lire. Beaucoup d'ignorants, énormément. Oui, exactement. Les gens, ils savent tout, mais ils lisent Mais pas. ils lisent pas. Voilà, c'est ça. C'est ça la vérité. Moi, j'ai fait un cours aujourd'hui avec ça. Regarde. Moi, j'ai fait un cours avec ça aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai bâti mon cours sur ça. Regarde. J'ai bâti mon cours sur ça. Hein? Regarde. Il Aoutar de Shawkani et la Bible et le Coran. Voilà. Ça, c'est mon cours d'aujourd'hui. Avec toutes les feuilles. Hein, toutes les photocopies, voilà. Et j'ai oublié ça. Tafsir le Coran. Voilà. J'ai bâti mon cours sur ça. Aujourd'hui. Hein, et j'ai pas eu le temps de tout dire. J'ai pas eu le temps de tout dire. Voilà. Et les gens, ils viennent me contredire sans rien du tout. Sans rien. Hein, il est en train de s'écrouler, là. Attendez. Pas que ça tombe. Hein. Mon Dieu. Hop, 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 hop. Voilà. J'allais faire des dégâts. Voilà. Bon, ben, s'il n'y a personne. Ah, s'il y a quelqu'un. Attends. Douma. C'est un homme, j'espère. Hein. Je parle pas avec les femmes. Salam Salam alaikum. alaikum. Alaikum Salam salam. alaikum. Ouais, je t'entends. Alaikum salam. On t'entend mal. C'est qui? Mets du son. Un homme? Mets du son, on t'entend mal. Là, vous m'entendez mieux? Oui, non, on t'entend super bien. Vas-y, on t'écoute. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Salam alaikum. Wa alaykoum salam, wa rahmatoullahi Anna, mashallah, barakallahu fikoum, wallahi. Que Dieu te bénisse. Heureusement, il y a des gens comme toi. Allah ybarik fik, mon frère. alhamdulillah. Moi, je suis très ému, je suis vraiment content. Anabat, je suis vraiment content. Je ne savais pas qu'il y a des gens comme toi qui pourraient nous éclaircir notre religion. Voilà. Je ne savais pas, mais alhamdoulilah, j'ai la foi encore. J'ai la foi parce qu'il y a des gens comme toi, Anabat. Voilà. Vraiment, que Si Dieu tu te veux donne la, longue vie, si tu qu'il te veux le, donne la sagesse, ouais. Si tu qu'il veux te la, si guide tu dans veux le la droit véritable, chemin, que tu si puisses tu nous veux, apprendre encore. écoute, On a écoute, besoin des gens comme toi. ouais, Oui. écoute, si tu veux la vraie Oui. sagesse, tu reviens à la famille du prophète et Oui. là tu auras tout. Tu auras tout. Wallah, moi je suis la famille de Alal Bayt, hein. Ah, Moi, mashallah, ben, t'es bien, mais donc toi t'es bien, mashallah, toi t'es bien, toi t'es bien. tu peux pas être musulman de toute Voilà. façon sans ne pas les suivre. Tant qu'on C'est dira pas ces aux jeux, gens, c'est descendu. écoute, tant qu'on dira pas aux gens que le Coran qu'on a entre les mains, il est falsifié, ils ne reviendront jamais vers Ahlul Bayt. C'est fini. Voilà. On nous a tellement, tellement, tellement dopé le cerveau. On nous a appris des mensonges. On nous a guidés dans le ténèbre, dans le noir. Non, mais vraiment, vraiment. En tout cas, moi, je suis juste monté te dire merci. Continue Ben, je te sur ce remercie, mon chemin. frère. Et même si tu peux nous, si tu peux, je sais pas, essayer de former certaines zones parce que c'est très important ce que tu es en train de faire. C'est très important pour les frères et les sœurs qu'ils arrivent. Parce que je te dis, hein, aujourd'hui, le monde musulman, on est perdu, hein. On est vraiment perdu. On ne sait Ah, on est pas où on perdu pose les complètement. pieds. Donc, s'il y a des gens comme toi qui peuvent donner des cours, qui peuvent nous guider, nous apprendre notre religion, vraiment, alhamdoulillah.
J'ai une chaîne YouTube où je remets toutes mes vidéos dedans. Tu peux la Oui. suivre. Ça s'appelle La Voix des Ahl Oui. al-Bayt. Si tu veux, tu m'envoies un La message voix en des privé. Al-Bayt. Tu Oui. m'envoies un message en privé, je vais te donner le lien. Ok. Je vais t'envoyer ça, je vais faire ça. Voilà. Je te Inch'Allah, je vais remercie faire ça. Barakallah, en fait, mon frère. Voilà, je suis vraiment content de toi. Bon courage en tout cas pour Rabbi tout ce que tu fais. Bon Merci. courage. Qu'Allah Merci. accepte notre jeûne, nos prières, qu'il nous Amin, guide dans le amin, droit amin. chemin. Amin, ya Rabbi al-Alamin. Vraiment, Amin. merci beaucoup. Je suis vraiment content. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام الله. الحمد لله. Ah, je viens d'arriver à la maison. Je te vois pas, comment ça se fait? Je te vois pas dans mon écran. Comment ça, moi, je... Si je le vois, c'est Docteur 34. Ah, je le vois pas dans mon écran, c'est bizarre. Ah, si, moi, je le vois. Ça va, Andanolo? Ça va, Alhamdoulilah, et toi, Docteur? Ça va, tranquille, Quoi de mon neuf, frère. quoi de neuf, Docteur? Mashallah. Ouais, ça va tranquille, mon frère. Tu veux une petite ordonnance ou Alhamdoulilah. quoi? Qu'Allah te préserve. Quoi? Merci. Tu veux une petite ordonnance? Ouais, Inch'Allah. Ah, y en a qui ne te voient pas, c'est vrai. Nous, moi, je le vois. Ah ouais? Ouais, il y en a, Essayez de ils ne te parler. voient pas. Essayez de parler du sujet parce que je vais mettre ça dans YouTube. C'est quoi le Ah sujet? Je viens d'arriver, ouais, hein. c'est vrai. C'est ça. D'accord. La vidéo, tu la trouveras dans YouTube. Inch'Allah. D'accord, super. Ouais, c'est vrai. On a tous besoin d'une ordonnance, tous les musulmans. Le cours, il est terminé là? Ah, j'arrive Oui, pas comment là. s'écrit le nom de la chaîne? Il m'envoie un message il m'envoie un message dans TikTok en privé. Je vais lui envoyer le lien. Le Non, lien, il y il en a est dans ma plusieurs. Il y a description. Le en a lien, plusieurs qui veulent. il est dans ma description TikTok. On le voit en dessous de la chaîne, on le voit. Le lien. D'accord? Ici, là, Ah, faut regarde. suivre. Attends, Faut regarde. suivre. Attends, ici. Faut suivre Anabad et dans le là, il y a la description de la chaîne. Voilà. Ici, là, attends. Ici, là, vous voyez là, ici. Là, il y a ma chaîne. D'accord? Et ici, vous avez le lien YouTube. Vous cliquez dessus. Hop. Et ça va vous diriger vers mon site internet YouTube. Voilà. Voilà. Ça va vous diriger ici. Voilà, la chaîne, La Voix des Ahl al-Bayt. Et là, il y a toutes les vidéos. Il y a tout. Alors, vidéo. Voilà, vous avez tout là. Voilà. Tous mes cours. Tout ce dont je parle. Voilà. C'est pas le sujet du cours aujourd'hui. Bon, s'il y a personne qui veut monter, je crois qu'on va monter, on va arrêter.
Attends, on a quelqu'un? Non, je peux pas prendre des femmes. Hein. Je suis désolé. Je suis désolé, je peux pas prendre de femmes. Angèle Mariam, je peux pas. Parce que je suis marié, j'ai une femme, et ma femme, elle veut pas. Tout simplement, c'est son droit. Elle fait ce qu'elle veut. Je vais l'expliquer. Moi, j'accepte, moi, j'accepterai pas que ma femme, elle parle à des hommes. Je serai jaloux. Ben, je dois aussi accepter que ma femme, elle n'accepte pas que je parle à des femmes, tout simplement. On appelle ça le respect mutuel. Elle veut pas, stop, c'est son droit. Elle fait ce qu'elle veut. Salam Alaykoum salam. C'est qui? alaykoum. Comment? C'est Vous qui? m'entendez? Oui, j'entends. Ah, ok, d'accord. Non, mais je voulais parler d'une chose, ça va dans ce sens-là, mais c'est pas directement sur le sujet du titre que je vois là-dessus. Vas-y. C'est en fait, c'est au sujet des Abu Huraira. Je crois que tout le Oui. monde le connaît. Oui. En fait, c'est un vrai phénomène ou scandale, en fait. Oui, c'est vrai. Quand on regarde la plupart des hadiths sont Ouais. rapportés par lui. Bah oui, c'est un grand Et menteur. quand on regarde Ils ont pris les hadiths et des quand menteurs on et ils ont laissé les. Oui, c'est un grand menteur. j'arrive. Ouais. Quand on regarde la vie, le temps qu'il a passé avec le prophète, Même pas 2 ans. c'est peu. Même pas 2 ans, voilà, même pas 2 ans. Et donc, normalement, pour quelqu'un qui réfléchit, on devrait se poser la question de où sont les autres hadiths des autres compagnons, ou bien les autres ils n'ont pas rapporté. Ben, ils les ont sélectionnés, ils ont sélectionné. Les vrais hadiths, ils les ont pas racontés. Et les hadiths falsifiés, ils les ont racontés. Ils ont sélectionné. Ils ont pris que ce qui va dans leur sens. Et comment les gens ils continuent à suivre des gens pareils enfin, je me Avec demande, ils ne se l'histoire, posent pas la question. parce que Ils se posent pas la question quand même. les gens, ils lisent pas, ils lisent C'est pas. simple quand même, c'est simple, hein. Regarde là, Sahih Muslim, regarde là, Sahih Muslim, d'accord, Muslim, bon, regarde là, bon. Un des compagnons du prophète, d'après Abu Huraira, qui raconte, pendant les jours de Ramadan, certains délégués en démission sont entrés chez Muawiya, alors que Abu Huraira avait l'habitude de nous inviter chez lui. Abu Huraira avait l'habitude d'être avec Muawiya. Hein? Il était avec les califes Omeyyades. Tu vois? Il s'est rapproché du pouvoir. Ouais. Ah, il est mort très riche. Hein? Il est mort très riche, Abu Huraira. Voilà. Il est mort très très riche. Hein? Il était du côté des Omeyyades. Il n'était pas du côté de la famille du prophète. Hein? Et Bukhari a ramené la majorité des hadiths de Bukhari, c'est Abu Huraira. Voilà. Là, on peut dire, en prenant un exemple de la vie actuellement qu'on vit, on peut dire que c'était comme les écrivains aujourd'hui ou les Regarde, journalistes qui ouais, sont exactement. payés pour Regarde ces gens. écrire des choses Regarde, regarde. qui vont dans T'as le vu? sens du T'as gouvernement. vu ça? Sahih Muslim. C'est authentique, hein? Regarde, Sahih Muslim. C'est authentique. Regarde, je l'ai aussi en arabe. Regarde. Quelquefois qu'il y en a, il dirait non, il l'a pas. Je l'ai en plusieurs versions en arabe. Hein? J'ai 3 versions. Tu vois, Sahih Muslim. Bon, regarde ici. Regarde ici. Abu Razin raconte un jour. Attends, je vais mettre comme ça. Non, je vais laisser comme ça. Un jour, en sortant pour nous recevoir,
Abu Huraira s'est frappé le front par la main et il a dit, certes, vous dites entre vous que je mens sur le messager d'Allah. Tu vois? Les gens, ils ne le croyaient pas déjà à l'époque. À l'époque, déjà, ils ne le croyaient pas. Déjà, les gens, quand ils étaient entre eux, ils disaient, il ment, faut pas l'écouter. C'est un mytho. Tu vois, regarde. Tu vois? Regarde. Il s'est frappé là, le front. Il a dit, vous dites que je mens. Hein? Voilà. Afin que vous suiviez le droit chemin et que je m'égare. Tu vois? Ça veut dire que lui est en train de les égarer. Et eux, ils sont en train de dire, non, il ment, écoute-le pas. Comme ça, eux, ils suivent le droit chemin en ne pas l'écoutant. Tu vois? Voilà. Voilà. Et après, il dit, certes, j'atteste, il jure que j'ai entendu le messager d'Allah dire ça. Et puis, il sortait de ces trucs. C'était une rivière de mensonges. Une rivière. Que dis-je? Un torrent. Bah, c'est de la corruption, puisque tu viens de me dire qu'il est mort riche, donc ça va, c'est. Bah oui. Ça se voit, ça saute bien, en fait. Il était corrompu. Franchement, il y en a, ils font rire. Hein. T'as montré mais tous pas, les livres. Ne ramène pas les commentaires des gens, Hasden. Il y a des trolls. Hasden, il y a des trolls. Il y a des gens, ils sont ni musulmans, ni juifs, ni chrétiens. D'accord? On sait pas à qui on a affaire. Oula. Il y a des gens, ils sont spécialisés dans ça. On appelle ça des trolls. Ils vont dans tous les lives et ils essayent de foutre la merde. Comme ça, nous, on s'énerve. Faut pas. Il y a classe 69 qui veut monter. Bon, moi, je vais finir bah, en disant pas. Que... Tu peux pas, t'as zéro follower. Il y a zéro follower, le frère. T'as zéro follower, classe. Okay, tu peux pas monter. D'accord. Ok, bon, moi, en attendant, si quelqu'un veut monter, je vais finir en disant que là, bientôt, c'est le décès de la dame bénie, la femme du prophète, Khadija, alayhi salam. Non, Nabat, je voulais juste dire, le gars, il dit il manque de contenu. Voyant tous les livres, je sais pas comment il. Je sais pas. Il voit. Je sais. Je sais pas qu'est-ce qu'ils voient. Est-ce qu'ils sont aveugles? Ils sont sourds? Hein? Je comprends pas. Hein? Il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de. Ils sont trop marrants. Oula, ils sont trop marrants. Un truc de malade. Je sais pas ce qu'ils veulent, là. Et les gens sont dans le suivisme. Allô, salam alaikum. Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Vous allez bien? Alhamdulillah. Et toi? Ça va. Je veux que tu me fasses la différence entre l'islam chiite et l'islam sunnite. Oh, pas maintenant, frère. Abonne-toi à ma chaîne, tu vas voir. Non, non, fais-moi la différence, je n'arrive pas à comprendre. Non, non, c'est trop long. Depuis tout à l'heure, je parle, je suis fatigué, frère. Je fais ramadan, ma gorge, elle est sec. Un résumé, mon frère, un résumé. Non, non, c'est trop long, frère. Oula, c'est pas... je peux pas... Moi, je ne sais pas faire des résumés. À la base, toi, tu peux lui montrer des schémas. Tu peux lui montrer les schémas que tu avais fait là tout à l'heure. Ouais, mais je ne les ai pas, là. J'ai tout regarde. Un schéma où tu avais marqué. Regarde, je suis fatigué, là. Oula, je suis fatigué, frère. Je peux pas. C'est trop long, là, c'est long. Oula, c'est long. Mais le sujet, c'était quoi? Vous discutez sur quoi? Hein? On t'entend pas, hein? À la balle. Mais non, je suis là. Ah, ok. Qu'est-ce que tu penses de Mus'haf Fatima? Le Mus'haf Fatima, c'est le Mus'haf de Ali. C'est celui qui a été occulté. Il est chez l'imam al-Mahdi. Comment ça? Mais le Mus'haf Fatima, c'est pas Fatima qui a écrit en laisse-là. Non, c'est pas Fatima qui l'a écrit. On l'appelle Mus'haf Fatima parce qu'il était dans la maison de Fatima. D'accord. Et donc, tous les imams l'ont eu jusqu'au dernier, c'est ça?
Parce que chez les Arabes, à l'époque du prophète, ils disaient pas la maison du prophète. Ils disaient la maison d'Aïcha, la maison de Hafsa. Ils disaient pas la maison de leur mari. Ils disaient la maison de leur femme. Parce que les maisons, c'est pour les femmes. T'as compris? Oui, je comprends, je comprends. Franchement, il y a vraiment des scoops et des... Mais les gens, ils aiment pas, ils aiment pas lire. Comme Fadak et... Enfin, non, non. Salam alaykoum. Comme ça là, Noir originel, salam. On t'écoute. C'est incroyable, Allah. Allez, Il y a des merci. gens, je sais pas. Mais déjà, je comprends pas, Wallah. Il y a des trolls. Non, Ils mais n'assument il vient, pas. il parle pas. Attends, je vais le reprendre pour voir. On vit dans tous les domaines dans le mensonge permanent. Il y a des gens, ils veulent pas qu'on en sorte. Il y a des gens, ils veulent pas qu'on en sorte. Oui, bonjour. 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 Il n'y a Oui, pas un en bon fait, réseau. On se voit je avec vous les suis dents. depuis deux ou trois jours. Oui. Il n'a Vous êtes pas un de bon où? réseau. Vous êtes de où, mon frère? C'est le réseau. Oui, Pablo, la vérité, elle fait peur. Regarde ça, Pablo Escobar, regarde. Regarde. Tu devrais changer ton pseudo, mon frère. Regarde, je vais te montrer un truc, Pablo. Regarde, regarde, hein. Je vais te montrer un truc. Attends. Écoute bien, ça c'est pour toi. C'est ce qu'on fait, Yahya. Regarde ça, Pablo Escobar. Sourate 29, verset 2. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que regarde s'il est avec moi? Il est avec moi? T'es là, Pablo? Il est là? Pablo? Oui, il est là. Bon, Pablo, regarde, c'est pour toi ça. Tu as dit, ça fait peur, ce que je suis en train de raconter. Bon, regarde, hein. Verset 2 de la sourate 29. On voit bien, Asden, elle est bien centrée. C'est flou. Ah, c'est flou. Faut rapprocher. Ah, là, c'est mieux, là. Attends. Recule un peu. Attends, je vais régler. Voilà. C'est Quelle bon. sourate, ça? Ça va là? 64. Sourate Ouais, c'est 29. en haut ou en bas? Ici, là, en bas. Ici, là. Bah, Ici. monte un peu le livre, le Coran. Ça va là? Je suis Ouais. bien? Bon. Ici. Regarde. Hein. Sourate 29, le qasas, le récit. Allah, il dit, Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum
La yuftanun. La yuftanun. Laqad fatanna alladhina min qablihim liya'lamanna Allah alladhina sadaqu wa liya'lamanna al-kadhibin. Le hadith là, il est très important. Ça veut dire quoi, Pablo? Regarde. Allah dit, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous sommes croyants, nous sommes musulmans, nous sommes croyants, sans les éprouver? Allah, quand on dit à Allah, je suis croyant, je suis musulman, il ne nous laisse pas. Il nous éprouve d'abord. Il nous fait passer un test d'admission. Hein? Avant d'être croyant, on passe un test d'admission. Et le test d'admission, c'est la science. Est-ce qu'on a étudié ou non? Ceux qui disent nous sommes croyants sans le test d'admission, ils ont raté leur diplôme. Ils ont raté leur examen parce qu'ils n'ont pas étudié. C'est des suiveurs aveugles. On appelle ça du suivi aveugle. Ce qu'on appelle en arabe at-taqlid al-a'ma. At-taqlid al-a'ma. Le suivi aveugle. Allah, il veut pas des suivis aveugles. Ces gens-là, il n'en veut pas. Allah, il veut des gens qui passent un test, qui sont éprouvés dans leur religion. Éprouvés par quoi? Éprouvés par ça, mon frère. Éprouvés par tout ça. C'est des années de travail, mon frère. Des années. Ça ne vient pas comme ça. C'est pas en passant notre vie au McDonald's et au cinéma que la science, elle va rentrer. Comme certains t'ont dit, en te disant que le prophète était illettré. Le prophète n'était pas illettré. C'était le plus grand savant que l'humanité a porté. D'accord? Il faut étudier, mon frère. Il faut rechercher. Fréquente les gens qui t'élèvent. Ne fréquente pas les gens qui te rabaissent. Tu vois? Donc Allah, il dit, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire, nous croyants, sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. On a éprouvé les juifs et les chrétiens et le peuple de Noé et le peuple de Had et le peuple de Thamoud et le peuple de Lot. On a éprouvé tous les peuples avant nous, avant les musulmans. Et Allah, il a éprouvé tout le monde. T'as compris? Et pourquoi nous, on ne serait pas éprouvés? Pourquoi nous, on est très musulmans, hein? On ne ferait pas de recherche et on irait au paradis. On appelle ça du piston. Pourquoi Allah, il ferait du piston avec nous? Alors qu'on est les derniers dans l'humanitaire. On est les derniers dans l'informatique. On est les derniers dans la recherche. On est les derniers dans la médecine. Pourquoi Allah, il nous ferait le cadeau de nous donner le paradis à la naissance? Sans faire de recherche. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait de bien pour mériter cette gratitude d'Allah? Quand est-ce que ça va rentrer dans les têtes? Un zéro sera toujours zéro. Le zéro n'a jamais donné un, ni deux, ni dix, ni vingt. Un zéro reste un zéro. Hein? Il dit, pourquoi il nous éprouve? Pourquoi Dieu nous éprouve? Pour voir si on est de vrais croyants. Si on a recherché la science. Regarde. Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Voilà. Il y en a, ils disent qu'ils sont croyants et c'est des menteurs. Et il y en a, ils disent qu'ils sont croyants et ils disent la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ramènent des preuves. Parce que ceux qui disent la vérité, ils ramènent des preuves. Ils se baladent pas dans TikTok et ils mettent comme des cafards. Hein, ils mettent un commentaire par là, puis après ils vont dans un autre live, ils mettent un autre commentaire, après ils vont dans un autre live, ils mettent un commentaire. Ces gens-là, là, qui mettent des commentaires dans les lives, ils savent très bien au fond d'eux-mêmes qu'ils puent. Wallah! Wallah l'adim! Ils savent au fond d'eux-mêmes qu'ils puent, que c'est des puants. Ils le savent. À la base, j'aimerais que tu reviennes sur un fait, si c'est possible. J'ai vu un commentaire tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a écrit « Nous, on suit le Coran et la Sunna. » Tu vois, comme lui, là, ne pas dire Dieu, mais oui. Allah, que ça devient Dieu. Tu vois, celui-là, il faut le dégager. Il n'y a rien à faire dans mon live. Oulah. En fait, je voulais dire… Oui, Ginger, le Coran et la Sunna. Il y en a un, il y a mis le commentaire là, mais il sait pas que si tu Yahya, quand tu dis le Coran et la Sunna, est-ce que ta référence c'est le hadith le Kitab Allah wa Sunnati? Parce que si c'est ça, c'est un hadith faible. En fait, là où je vais en venir, c'est que cette Sunna là, où la plupart des savants ou des quatre écoles, ils ont appris chez l'imam Jafar Sadiq. Exactement. Et ça, beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne le savent pas.
ils savent pas qui est l'imam Jaafar Sadiq. Après, non, Ali n'est pas un compagnon. C'est pas un compagnon. Ali, c'est un imam désigné par Allah. Ouais, il y en a, il dit c'est un compagnon comme tous les autres. Ali minni wa ana minhu, le prophète alayhi salam y a dit. Il dit c'est mon frère. Non, je crois qu'on va arrêter. Hein. C'est bon, on a fait le tour. Il n'y a pas d'autres questions. Hein, Asdin, t'as tout lu, c'est bon. À part les questions pourries, il ne faut pas les lire, Asdin. Hein. D'accord? C'est bon, on a fait le tour, Asdin, on peut arrêter ou quoi? Bah, je pense, hein. Bon, ben, je vais vous laisser, puis bon futur, Inch'Allah, sahaf turkum, pour ceux qui gênent. Inch'Allah, marhab. Ok. Et pour, pour les autres, bonne soirée. C'est quoi ta Attends. Question? Si, ouais, j'allais. Ali, la porte du savoir, Mach'Allah, ouais. Prophète Aïssa Salam, il dit, je suis la science, Madinatul Ilm, wa Ali Babouha. Alors, c'est quoi la question? Kazden, tu lis la question, s'il te plaît? Ouais, Sania, j'attends. Tu dis des bêtises, Yahya, ça sert à rien. On adore qu'Allah. C'est dommage, hein. Lui, il ne pourra plus jamais venir dans mon live. Regarde, bloqué. Tu vois, c'est dommage. Hein. J'écrase les punaises comme Scarface. Sania, elle est où ta question? En fait, les gens, il y en a, ils préfèrent écouter les rumeurs au lieu d'aller lire ah, les non, je vais regarder. Je vais chercher, attends. Les vrais hadiths, ils sont c'est la famille du prophète. Il suffit de t'abonner, tu m'envoies un truc, je t'envoie les livres en PDF. Alors. Tu sais, c'est que ceux qui commentent maintenant, la majorité, c'est ceux qui sont venus à la fin, Asdin. Ouais, ils ont pas suivi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Elle est loin ta question, Sania, je vois pas, punaise. Ah, non, Atlas. Bonne réponse, merci. Je crois que ça aurait été plus rapide si tu l'aurais, si tu l'as réécrit, si tu la reposes. Ben écoute, j'ai pas trouvé. Hein. Mais moi, je vois pas. Non, il y a rien à se dire. Bon. Allez, salam alaikum, sahaf tolkoum tout le monde. Hein. Bonne soirée. Merci.